It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Ouais, allô. Salut, Skittle, tu vas bien? Ouais, ça va et toi, mec? Ouais, ça va. Bah, je venais aux nouvelles pour savoir comment toi t'allais. Histoire de où et tout, là. Savoir si ça s'était c'était calmé, comment ça se passait, ça, tout ça. Bah, ça va, Renaud, ça va. Juste les flics, là, au quartier, code noir, hein. Tout le temps. Ah, ouais, c'est insupportable, les codes, hein. Clairement. Je comprends pas. Clairement, mec. Là, c'est par rapport à ce que des gangsters du quartier ont fait, mais bon, on en bouffe les pots cassés. Et sache que sache qu'ils viennent de perquiser une de mes caves au quartier et que je viens de perdre vraiment beaucoup de sous. Perdu combien? 1 million. Ouais. Toi, t'as rien à voir dans l'histoire. Pourquoi j'ai rien à voir dans l'histoire, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont perquis cette nuit. Je crois que c'est parce que hier, je suis sorti de la cave et que j'avais des boîtes de munitions sur moi. Et je lui ai dit que j'allais les ranger dans ma maison. Je suis allé dans ma maison, je les ai rangés. Et je sais pas, il a perquise ma cave et bah dedans il y avait 1 million. Après tu connais, hein, moi j'ai beaucoup plus d'argent que ça, donc il me reste vraiment pas mal, mais... On parle d'un million, Skittles. Quand même d'un million, ouais, ça fait mal au cul, mais bon. Après, hormis ça, j'ai quand même de l'oseille ailleurs, mais bon. Pour moi, le code noir, il est abusif, hein. Perquisition sans mandat, je sais même pas comment le juge a pu accepter ça, en fait. Il faut une raison pour entrer, sinon c'est trop facile. Bah, dans ce cas-là, s'il y a pas de mandat, pourquoi ils fouillent pas toutes les maisons et pourquoi ils ont fouillé la tienne alors que t'avais rien à voir? C'est exactement ce que je disais là, il y a 5 minutes à des Renois. Du coup, bah voilà. Moi, je suis. Ok. Mais là, du coup, mec, j'ai besoin de me refaire. Enfin, en vrai, je suis bien, hein, je suis toujours au-dessus du million, mais bon, j'en ai quand même perdu un, donc ça fait chier. Ok. Pour le moment, on t'a offert tout ce qu'on pouvait, je suis en train de réfléchir, mais... Niveau bise, on n'a pas plus, nous, pour le moment. Si on a des choses qui nous tombent dans les mains, je te tiendrai au courant, ce qui se passe dans tous les cas. Ok, man, bah tu me diras. Vas-y, bah tiens-moi au courant pour cette histoire de Wu et cette histoire de perquise, là, savoir comment ça se passe un peu dans votre quartier, ça m'intéresse, et vous avez contacté moi, du coup. Vas-y, ça marche, mec. Big up. Courage, Skittle, le plus tard. Vas-y, big up. Ouais, Renoir, ça va? Ouais, toi, ça va pas l'air d'aller avec ce qu'ils t'ont fait, les putes, hein. Rien, tranquille, hein, y'avait rien de fou là-dedans. Bah, y'avait 1 200 000. Mais tu crois vraiment à ça, là? C'est le flic qui l'a dit. Mais frère, il faut pas croire les flics, hein, première leçon. Ouais. Mais t'as vu? Tu ramènes les choses à un endroit. Ouais. Et bah il faut un convoi, mais ils le disent pas. Ouais. Et bah là, moi actuellement, j'ai de quoi faire chanter un flic qui peut nous donner l'information du convoi pour que tu récupères si tu veux. Tu crois vraiment on va taper un convoi et vous nous laisser récupérer 1 200 000? Bah j'ai pensé, on peut aller tirer sur les flics au convoi ou faire un autre plan. Si on veut taper un convoi, frère, on pourra même pas récupérer 100 000, hein, je te le dis. Hein. Ouais, bah au moins, on va vous poser ça. Parce que ça m'a fait mal au cœur. T'as vu les messages? T'as envoyé les messages? C'est Riz, il a fait ça. Ah ouais, c'est Riz. Parce qu'il croyait que c'était toi qui avais le pompe. Oui, 2 ans. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est toi qui avais le pompe. Ah, c'est moi qui ai le pompe. Bah, c'est ce qu'il croyait. Ah ouais, bah ouais, ils ont cru, hein. Mais t'as vu, ils l'ont pas trouvé, c'est bizarre. Je sais pas. Moi-même, Riz, il me frappe et tout ça parce que. Il veut que je lui dise où il est le pompe, mais moi je sais pas pourquoi. Eh ouais, Renan. Bah, moi non plus, je sais pas où il est, hein. Je te mens pas, mec. Moi j'étais même pas au courant qu'un pompe a été volé, hein. J'ai vu ça à la télé ce matin, là, carrément. J'ai vu ça aux infos. C'est des salopes. Il faut qu'il va. Mais t'inquiète, je vais gérer, Renan. Hein. Je vais gérer. Mais c'est qui le flic que tu fais chanter, là? 13. 13? C'est qui lui? C'est un flic, il a fait une bavure. Et si je porte plainte, il est dans la merde. C'est un rookie, il travaille tout le temps avec 113. Je vois pas c'est qui, mec. Mais vas-y, tranquille, moi, je vais me débrouiller, hein. Mais si j'ai besoin, je te dis, hein, mais... Tu connais, frère, hein, j'ai eu quelques pertes, mais c'est pas abusé, hein. Tiens, je voulais...
te donner ça. Au moins, ça t'aidera, frère. Ça, c'est la moitié de mes économies. Yo, vas-y, garde ton oseille, frère. Tu crois que j'ai besoin d'oseille ou quoi? Bah ouais, t'as perdu ton business. J'ai rien perdu du tout, man. J'ai perdu quelques centaines de milliers de dollars, mais ça regarde, va, hein, je suis bien. Le flic qui m'appelle, regarde. Tu vas voir que je tiens par les couilles. Ouais, 13. C'est bâtard, toi, en fait. Ouais, 13, qu'est-ce qu'il y a? T'es parti voir le procureur? Ouais, tout est en train de se faire marcher. T'as vu? Tu veux assumer ou tu veux pas assumer? Y'a pas de problème, Franck, tu veux jouer à ça, y'a pas de si. Moi, écoute, en tout cas, tu m'envoies une pause et on parle. Tu m'envoies une pause et on parle. Non, non, moi, je suis blanc dans mes baskets et j'ai rien à me reprocher, Franck. Là. Écoute, c'est parce que tu diras devant le proc. Si tu veux, tu m'envoies une pause et on parle, mec. Parce que j'ai des trucs à te proposer. Tu veux me proposer quoi? C'est dit, on parle en face à face. Je suis avec Bugsy, là. Salope, le. Ouais, tranquille, mec. Je vais gérer, Renoir. Yo, par contre, il va falloir que... Mec, il va falloir que tu fasses de la pub hein, pour mon entreprise, là, Skitokaz. C'est quoi ce? Skitokaz, mec, c'est... Tu connais pas? Non. C'est mon entreprise, Renoir. Je vends des voitures, d'occasion. Ah ouais? Eh ouais, Renoir. Ouais, maintenant, t'es dans le légal, t'as arrêté la rue. Non, frère, je suis toujours dans la rue, c'est juste qu'il faut un peu des deux, mec. T'as un partenaire dans la rue? Un partenaire dans la rue, bien sûr, j'ai des partenaires, man. T'as le meilleur ami de la rue ou pas? Bien sûr, j'ai mon meilleur ami de la rue. C'est qui? Il s'appelle AD. Ben. Tu le connais pas, c'est un riche. Non, mais moi, je me suis dit, je pouvais être ton deuxième meilleur ami de la rue. Mais si tu veux, Renan, mais il va falloir faire tes preuves, yo, hein, là, carrément, à part manger des donuts et prendre des boules de neige dans la tête, tu fais pas grand-chose, hein. T'inquiète, mec. Tout dans le business. Dis-moi comment je peux faire. Encore une mallette. Aïe. Encore une mallette. Aïe, mais putain. C'est bon, désolé, man. Ouais, Trabar, merci pour le jeton. Merci, Reynald, merci pour tes 2 ans. Je suis choqué de ce que tu viens de me faire. Pourquoi? Ça te choque? Tu m'as frappé. Je t'ai pas frappé, man. Je t'envoie une boule de neige. Hein. Aïe. Parce que toi, quand tu payes. Merde. Il est bon ton donuts ou pas, man? C'est un donuts à quoi? Au chicken Louisiane. Au quoi? Au chicken Louisiane. Chicken Louisiane? Ouais. C'est quoi ça déjà? C'est BK? Ouais. Ah, c'est trop bon, BK. Tu manges les frites au cheddar? Bah, oh, non. C'est trop bon. Avec la sauce 1964. Oh non. Faut manger les frites au cheddar, Renoir, yo, what the fuck? Bon bah, Skittle, maintenant que je suis ton dernier légal, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Là, ce soir, faut que t'ailles me faire la... Là, faut que t'ailles me faire la propagande, Renoir. Là, faut que tout le monde ait le mot Skittokaz à la bouche. Vas-y, okay, je vais aller taguer ça devant les commissariats. Ah, vas-y, tu vas taguer ça partout, Renoir, et tu m'envoies des photos, c'est bon? Ouais, t'en bats les couilles, hein. Ouais, t'inquiète, m'en bats les couilles. Ok, les gars, je vais un peu gérer l'entreprise. J'ai besoin d'AD, en fait, là, j'ai besoin d'AD. Mon plan illégal, il marche que s'il est là, wesh. Oui, allô? Yo! Wagwan, oui. Tranquille, man. Bah, ça va, et toi? Ouais. C'est toi, tu vends une clé, là, sur Marketplace? Exactement. Ok. Yo, mec, dis-moi. Je m'appelle Skittles. Je sais pas si on se connaît. Non, pas du tout. Moi, je suis pas... Je sais pas où vous habitez, donc... Je suis dans le sud, moi, Inglewood. Non, moi, je suis dans le nord. Ok. Ben, sache que j'ai une entreprise d'occasion qui s'appelle Skittokaz, basée Inglewood. Et si ça t'intéresse de vendre ton 4x4 assez rapidement, si tu veux, moi, je peux te proposer de le mettre en dépôt-vente et tu peux le vendre. C'est une concession d'occasion, en fait. Tu captes? Ok. Donc si tu veux, tu le mets en dépôt-vente et comme ça, derrière, même tu vois, au lieu d'avoir du liquide, on peut l'avoir en banque. Moi, je peux le vendre en virement, si toi, ça t'arrange. Quand il y a un mec qui vient l'acheter, ben, t'as capté. Ok, alors, c'est possible, mais pas maintenant. Là, je suis débordé, parce qu'il y a plein de demandes au Poundscars. Parce que je suis patron de là-bas. Ah, t'es patron de là-bas, toi? Ah, mais il va falloir qu'on se voit, mon pote. Oui, bah oui, là, je suis débordé. Je suis appelé partout. Donc, Bah, en vrai, ça t'intéresse ou pas du tout?
Ouais, ça m'intéresse. Bah, en vrai, si ça t'intéresse, je suis chaud, t'enlèves le truc de marketplace. Comme ça, moi ouais. Direct, dès que t'es dispo, on se capte et je le pose à l'entreprise et tu connais. Ok. Vas-y, bah, on se tient au courant, mec. Rappelle-moi. Ouais, on se tient au courant. Big up. Big up. Yo. Tranquille ou quoi? Bien? Ça va, ça va. Tu fais quoi la soir? Tu gères l'entreprise? Ouais, je vais faire pas mal de choses, hein. Je te mens pas là. Il s'est passé une dinguerie. Hein. Il s'est passé quoi? Bah, il y a le code noir Inglewood et les flics ils ont fait une descente dans un de mes entrepôts à Inglewood sans raison comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est pendant que je dormais. Et dedans il y avait bah, beaucoup d'argent. Ouais. Déjà il y avait mon stock de briques donc il y en avait à peu près pour 304 briques. Et en termes d'argent, ouais, il y avait pas mal, hein. Il y avait plusieurs centaines de milliers de dollars, mec. Ah putain, les salopes. Pas loin d'un million. Mais en vrai, tranquille, hein, c'est pas... Moi, j'ai beaucoup d'argent, tu connais, Renaud. J'ai encore plein de stocks, mais bon. Je te mens pas, là, je suis un peu... Ouais, énervé, quoi. Ouais. Je suis pas boussolé, on va dire. Pote. Bah ouais, en fait, genre, je comprends pas. Moi, j'ai fait quoi? Moi j'ai reçu aucun appel, rien, pas un mail, rien. J'ai rien, je sais pas pourquoi. Et ouais. Après tu connais, hein, j'ai toujours de l'oseille partout, mais bon, ailleurs, mais bon. Même moi je te mens pas, hein. De base t'as vu, même chez moi, on stocke tout ici. Quand ils ont annoncé le code noir, on a tout bougé. Hein. Ouais, mais même moi je devais bouger, mais le code noir il a commencé samedi. Moi tu connais, le samedi je suis pas là. Et hier, ouais, il a commencé hier le code noir. Hier, je me suis réveillé et me dirais que j'ai passé ma soirée en cellule. Je suis sorti, je me suis perquise. Salope. Mais ouais, tranquille. Après, ça me met pas dans la merde, mais ça aurait pu. Heureusement que j'ai pas tout mon osé ici, quoi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bref, là, pour ta commande, Yamakila, donc je vais aller le voir après. J'ai déjà une partie de la commande et dès que j'ai, voilà. T'as des voitures que tu veux vendre ou pas? Faut que je vois avec les gars, j'ai peut-être l'intruder qui va bouger. Après, c'est pas une voiture de ouf, mais... Tu me dis, bah en vrai ça part. Hein. Je les mets en dépôt vente ici, et quand les gens ils les achètent, voilà, tu me dis. Attends, mais du coup toi tu me la rachètes et derrière tu la revends plus cher, c'est ça? Ouais, bah moi soit je te la rachète, soit je la mets en dépôt vente et en gros dès qu'elle est vendue tu touches l'oseille. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en gros en attendant elle est là, quoi. Ouais, je vois, ouais, bah faut voir, hein. Je vais voir avec les gars là. Et ouais, du coup, t'as des couteaux ou pas? Ah, attends, je vais aller voir, je te redis. J'ai oublié, en plus, quand je t'ai vu au loin, j'y ai pensé, mais j'étais au tel. Je reviens. Vas-y. Alors, Grizzly full perf. Bah, Dash, tu descends pas ou quoi? Ok. C'est ça depuis tout à l'heure avec lui, voilà quoi. Ouais, c'est un endormi. Yo, y'a un problème. Ouais, Pixel, c'est... Hein. C'est quoi le problème? Fiston, bien. La baisse du crâne, quoi. Ouais, ça va. Ouais, là, va faire la baisse du crâne. Je suis pas d'humeur, Renard. Pourquoi? T'auras de bonne humeur. Bah, parce que, hein, cette nuit, en gros, je dormais. Ouais. T'as vu, j'entends grave du boucan dans ma rue. Je me dis, vas-y, casse les couilles, les Jackson à faire une soirée. Je sors ma tête par la fenêtre, je vois que des flics partout. Je me dis, wesh. Donc t'as vu, je descends les rideaux, je regarde c'est quoi. Et je vois quoi? Je vois ils sont en train de perquise ma cave. Mais non. Ouais. Parce que t'avais rien dedans, t'as tout déplacé vu qu'il y a le code noir. J'ai perdu 2 millions de matos. Bah, 2 frérot, M. Le... T'as vu le code M. noir? T'as vu le code M, noir 2 M. Mais pas 2 3 M. M. Là dis-toi, le code noir, il a commencé hier soir. Hier soir, dès que je suis sorti de chez moi, vous m'avez harcelé. Ouais, viens émeute. Je suis venu, je vous ai aidé. Je me suis fait prendre à cause des fils de pute de roue là qui m'ont tous abandonné au milieu de la route. Du coup, j'ai fini en tôle. Je suis sorti de la tôle, j'ai fait un RDV, je suis allé me coucher. Et il s'est passé ça. Donc, je n'ai pas eu le temps de bouger. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Sauf que le problème, Renoir, c'est que là, j'ai vu aux infos qu'apparemment, il y a un pompe qui a été volé. Ouais, ça craint ça. C'est pas Slim qui a fait ça par hasard. Vu qu'il missionnait des gens pour choper Riz. Allo? Dash. Ouais, tu m'as dit quoi? Dash, tu lui donnes la réponse ou pas? Moi j'étais pas là ces derniers jours. Tu m'as dit quoi? C'est Slim ou pas qui a volé le pompe?
Ah aussi c'est Slim. Slim, Bison, Lip. L'équipe de. Voilà. Bah ils viennent de me faire perdre 2 millions de dollars man. Voire plus hein. Ils viennent de te faire perdre, c'est un grand mot mon ami hein. Bah, comme Noir il l'a annoncé 48 heures en avance, c'est à toi de te déplacer. Ça fait combien d'années que j'ai mon argent dans ce quartier? Il a jamais été annoncé 48 heures à l'avance, Renaud. Et ça fait combien d'années que moi je déplace mes appartements chaque semaine? Que ce soit pour l'armement ou pour l'argent. Ouais, mais peut-être, on n'a pas la même manière de faire. Moi j'ai d'autres entrepôts à l'extérieur pour d'autres trucs, mais mon oseille, je le garde chez moi. Non, mais ce que je t'explique, c'est que n'accuse pas le fait que ça soit Slim ou pas, ça aurait pu tomber sur n'importe qui, cette perquise. Bah, j'accuse Slim parce qu'il a volé un pompe et du coup il y a un code noir sur tout le monde. Du coup, moi derrière, là je viens de perdre 2 millions pour l'erreur d'un mec. C'est pas en disant l'erreur d'un mec, c'est pas une erreur, c'est ça, c'est qu'il y a une raison derrière, tu vois. Bah, il y a une raison, il s'attaque à tout. Il s'attaque aux flics. Et là, du coup, tout le monde est en code noir, je peux même pas sortir de chez moi tranquille. Ah, mais ça c'est Riz, mon ami, ça. Riz, quand il met dans le coma, Slim. Il met dans le coma, il laisse pour mort, il le jette d'un toit, etc. C'est entre lui et Riz. Moi, il y a combien si de flics qui m'ont fait des dingueries, frère. Je m'en bats les couilles, c'est des flics. Ce que je t'explique, gros, c'est que si Riz mène le SASP à cette histoire-là, de cul, parce que c'est pour Nora à la base, hein, regarde les deux coques là. Oui, mais tu crois c'est un bif de gang, mec, il s'en bat les couilles, le flic, il met toutes les forces de son côté, c'est un chien. Non, c'est trop facile, oui, mais c'est trop facile de faire ça. Bah, tu fais des bifs avec un petit quartier. C'est trop facile, mais c'est des flics, pour eux, tout est facile. Slim ne le savait pas, en gros, tu peux pas en vouloir à Slim, alors que Slim de base, il pensait que c'était un bif entre lui et lui. Slim, il pensait qu'en capturant Riz, en volant son pompe, il allait rien se passer. Si, il se passait un truc, mais je pensais pas qu'il. Enfin, je pense. Tu sais quoi, je vais le ramener. Et encore, je pense et encore pas que c'est Slim gentil, pensait hein. Que t'avais 2 millions chez toi, frère. Il est pas con, Slim, tu vois. Mais non, mais bien sûr. Pas connu pour être con. Heureux, il savait pas. Mais il sait très bien qu'il y a des gens qui ont des trucs dans leur appart. Dans tous les cas, t'es 2 millions là, logiquement. Là, ils sont dans les saisies, ils vont forcément les déplacer en convoi. Tu crois, on tu peut crois, trouver une solution. Tu crois, on va taper un convoi, on va prendre 2 millions, ils vont rien dire. Mais du coup. Ouais, Slim, t'es où? Viens, Unicorn derrière, sur le parking. À l'hôpital, pourquoi c'est passé quoi? Putain. Frère. Qui t'a tabassé? En liquide, il y avait un million. Je sais pas, je t'expliquerai après. Presque 1,3 million. Vas-y. Eh ben, c'est chaud, Renoir, hein. Putain. Crain. Je pars, je reviens, c'est code noir. Je fais que des courses poursuites. Bah, dis-toi que le code noir, il a été appliqué samedi. Moi, samedi, j'étais pas là. Hier, je te dis, je suis sorti chez moi, je vous ai suivi dans votre émeute. Je suis allé en garde à vue toute la soirée, je suis sorti, je fais un rendez-vous, j'ai dormi. J'ai pas eu le temps de déplacer, Renoir, impossible. Impossible, et moi je savais pas, si vous m'aviez dit « Ouais Slim, il va faire ça un flic, fais gaffe, on sait jamais ce qui se passe, déplace tes trucs », moi j'aurais déplacé. J'ai des planques ailleurs, mais je planque que les trucs importants, genre les meurs, les trucs comme ça. Et l'argent, non, je crois. Si, j'ai de l'argent de côté ailleurs, mais t'as vu, là je pense que t'imagines bien que 2 millions dans ma vie, c'est pas R. En tout cas, c'est pas un souci, et s'il faut même que t'ailles dans les saisies, récupérer ton oseille, je pense que tu pourras le faire. Mec, t'as déjà réussi à t'infiltrer une fois. Putain, Dash. Eh ben ouais. Dash, tu t'avances beaucoup là, putain. J'avance beaucoup, mais je suis trop. Avant, c'est ton oseille, Liberty, hein, j'ai fait ça parce que les LCPD ils sont trop cons et que vas-y, c'est passé, mais là ça passera pas, Renaud. C'est vrai qu'ils sont intelligents, les SSP maintenant. Bah, ils sont intelligents. Ils sont pétés dessus par Makira. Tu me fais reconnaître, tu vois. Putain. Je sais pas, t'en penses quoi, Makira? Au moins, il y a une solution. Bah, moi, je suis au courant. Enfin, je suis au courant de. Juste à vue d'oreille, donc j'ai pas le contexte, j'ai rien, les gars. Moi, j'irai votre histoire, vous êtes des grandes personnes. Hein. Non, c'est pas mon histoire à moi non plus, hein. Moi, je suis comme toi. Hein. Moi, je regarde de loin. C'est le bifard. Ah, je sais pas, moi, je suis même pas au courant. Moi, je viens d'arriver aujourd'hui, je vois code noir. Je peux même pas me promener tranquille à Inglewood, que ça veut me fouiller, que ça veut me péter les couilles, que ça veut me mettre contre un mur. Là, je viens d'enchaîner deux courses poursuites. Donc, Ah, le code noir, voilà, hein. C'est pour tout le monde, hein, ma gueule. Hein. Qu'est-ce que je te dise, moi? Réglez vos bails. Hein. Par contre, M, Skittles, de M, mec. Ah, c'est beaucoup. Hein. Bah, c'est une partie de mon argent, mais. T'es pas à terre. Non, je suis pas à terre. Je suis pas à terre, mais ça me met carrément dans la galère, mon pote. Non, mais t'as vu, de M, perdre de M, les gars. Quand même. Je pense, moi, je raccrocherai hein, si je perds 2 M un jour. Hein. Ouais, je pense que. Perdre comme ça 2 M, je pense que je raccroche. Hein. Avoir la nuit, moi, je m'en pas les renoms. Moi je mens pas les Renault, hein. Là le code noir au quartier moi il me fout dans la merde. Hein. Là mes affaires elles peuvent pas tourner, je viens de perdre 2 M. Non mais celle-là elle est bien drôle, tu crois que les codes noirs, tu crois que ça arrange le business de tout le monde? Je sais que ça arrange le business de tout le monde, de personne, ça arrange pas de tout le monde. Mais voilà. Y'a pas frère, que toi qui a des business Renault, hein. Ça met le business à point mort pour tout le monde. Hein. Ben alors frère, faut gérer là le pompe, je sais pas hein, moi s'il faut que j'aille voir Slim et je lui dis on va échanger le pompe contre l'argent, on va faire ça. Hein. Bah voir avec Slim. Moi je peux pas perdre de M comme ça poto. Voir avec Slim. En tout cas,
Putain. C'est pas comme ça que je vais arriver, rien. C'est pas ma vision des choses. Si on s'était mis à l'hôpital, dans tous les cas, on... Bah ouais, mais taper un convoi, est-ce qu'on aura vraiment l'heure et la date? Moi, j'ai peut-être des trucs pour faire chanter des flics, mais... Compliqué. Aller dans les saisies, impossible. Littéralement, sauf si on arrive à trouver un cops qui nous ferait ça, mais j'y crois zéro. J'ai eu l'info tout à l'heure d'un flic. Qu'un flic donne 130 000 dollars à chaque fois à Calin. Tous les 3-4 jours. Donc, essayer de mettre sur cette piste, hein, peut-être. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, le flic. C'est impossible, ça. Si. En cash, c'est... Même ton enquête, va voir B-Way. Il m'en a parlé tout à l'heure. Il y a un monde où le flic peut-être peut te mettre bien. Hein. Et qui sait, peut-être lui, sait où sont tes... Je te mens pas, hein, de toute façon, je récupérerai jamais mon oseille. Là... Si, il vient de se garer, là. Très bonne question. Je crois que c'était un mec à bien orange. C'est moi. Tiens, dans... Là, je te mens pas, hein. On récupérera jamais tout parce qu'on déjà il y avait de l'électricité. Ah, mais DM, tu peux dire au revoir, hein. Tu peux dire au revoir, t'es DM. Ouais, bah c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Maintenant, il y avait 1,2 million en liquide. Les 1,2 million en liquide, on peut essayer d'en récupérer une partie. Maintenant, il va falloir que je vois avec Slim parce que là, ça m'a mis dans la merde, hein, son histoire. Hein. Moi, j'étais pas au courant qu'il avait volé un pompe. Hein. S'il m'avait dit, ouais, j'ai volé un pompe, machin, moi j'aurais fait en conséquence. J'ai vu code noir. Et surtout, moi dans ma tête, code noir. Oh, tu me strap, Renan. Ils m'ont rendu leur strap. Moi dans ma tête. Ils ont rendu le strap. Ouais, ils m'ont rendu à deux straps, garde-en, on sait jamais. Dans ma tête, code noir, man, c'est pas c'est pas un truc où tu peux taper une maison sans mandat. Hein. Moi, déjà, de toute façon, après, je connais rien à la loi, hein, mais moi, pour moi, tu ne peux même pas taper une maison sans mandat. Donc, ça avait aucune raison de taper. Apparemment, ils devaient avoir un mandat ou je sais pas comment ils ont fait. Bah, on dirait que le CSP s'est mis à jour aujourd'hui parce que j'ai vu l'annonce. Ouais, ils ont dit quoi? Ils ont dit perquis sans mandat maintenant. Ouais, j'ai vu. Donc, ça veut dire le code noir, en fait, il a changé, tu vois. Il y a eu une petite mise à jour. Ouais, il y a eu un patch note qui a été vite fait bien fait. Merci Dynasty, merci beaucoup. Ils ont testé une bêta sur Skittles. Ils ont dit ça a donné AMD. Moi, j'étais la closette bêta et vas-y. Ils ont dit ça rate, en fait, on va le faire souvent. Ah putain, vice de procédure dans ma mère. Ah, ça craint. Putain, j'ai fait ça comme un clown. Hop là, patch note. Oh, sacré Skittles, hein. C'est comme les PC, hein. Windows 11, tu vois, les gens ils se mettent à jour, après tu vois. C'est pareil. Ils préfèrent le 10, je crois, il y en a qui préfèrent le 10, le 11, il y en a, ils sont encore au 7, hein. Il y en a, ils sont encore au 7. Bon, je pense pas, t'es fou, quoi. Si. Les gros Bref, en tout 7. Cas, il faut le que je vois Slim, là, dites-lui. Dites-lui quoi, appelle-le, cousin, avec tes histoires, cousin. Nous, on n'a rien à voir, mais qu'il est avec moi, frère. J'aurais bien capé, hein. Moi, s'il a fait ça, Slim, c'est forcément que vous êtes au courant. Eh, de M, la tête d'homme de M, putain, Skittles. Ah, ça doit faire chier. Vends ta chop, hein. Je peux pas vendre ma chop, frère. Tu crois que je suis un clochard ou quoi? Je t'ai dit, je sais pas, vends ta chop. T'as pas le choix, Renoir. Infiltration dans les saisies. J'ai une tenue qui est très longue. Ça marchera pas, poto, ça marchera. Ça marchera, au culot. T'as plus le choix. Il y a 3 noirs au SASP, ça rentrera jamais. Même tu récupères une M4. Ils pourront mettre un nom sur le. Tu crois, il faut pas des clés pour entrer dans les saisies, dans le poste. Il faut des clés, mon pote. Si, mais ça, tu te débrouilles, ça. On attrape une petite conne, on lui prend ses clés, on la force. My big dick. Impossible, ça passera jamais. C'est pas le poste de Aldernay, frère. Ah, c'est toi, j'étais 2M dans ces cas-là. Ils ont 6 étages de poste, ils ont des clés, des badges à chaque ascenseur. Je sais pas si t'as vu, à chaque fois que tu es en cellule, ils te mettent un badge et tout. Man, c'est. Laisse tomber. C'est impossible. Et je m'assois pas sur 2M, frère. Là, c'est juste, ça m'a mis dans la merde, là, ce qu'il a fait Slim. Et moi, je suis pas au courant, et du coup, ça m'a baisé. Blague. Normal. Après, il y a des annonces, mais t'as peut-être pas vu. En tout cas, j'arrive avec Slim, BG. Hein. Moi, tu vois, je savais pas que c'était aussi chaud que ça, en fait. Si on fait des émeutes et tout, pour moi, c'est qu'ils vont pas nous shoot, nous tirer dessus, tu vois. Après, pour moi, c'est pas la faute de Slim. Hein. Ouais, pour moi, c'est la faute de un peu tout le monde. C'est la faute des flics, c'est la faute de moi, c'est la faute de Slim. Hein. C'est la faute, elle est divisée par plusieurs personnes, mais je te mens pas, Renoir. Moi, j'ai toujours vécu dans ce quartier en laissant tout ici. Il n'y a jamais eu de problème. Hein. Là, récemment, j'ai bougé, j'ai mis des trucs à droite, à gauche, machin. Mais là, c'est pas normal. C'est pas normal, Renoir. Ils auraient jamais dû rentrer sans mandat et ils seraient jamais rentrés s'il n'y avait pas le truc de pompe. Tu vois l'ancien gouverneur là, ouais. C'est que depuis que lui, enfin depuis le jour où il faisait des descentes là à l'époque, rappelle-toi il y a quelques mois, des descentes comme ça, il venait chez nous. Depuis ce jour, il n'y a pas une âme qui a dormi. J'ai même plus de chez moi pour te dire au quartier. C'est mon quartier, hein, mais je viens même plus là-bas. J'ai même pas d'appartement, j'ai plus rien. Pas un dollar, pas une arme, pas une douille qui traîne là-bas. Pourquoi? Parce que je sais que malheureusement, le CSP ainsi que le gouvernement, ils te font des surprises des fois, tu vois. Et t'as reçu une belle surprise, toi, tu vois. Parce que pour qu'il y a ta cave, on parle de ta cave, hein, c'est ça? Ouais, mais il y a ta cave, fond, derrière le grillage, au fond. Surtout que, vas-y, bref, franchement, comment ça s'est passé, ça me fout la haine.
Mais... C'est quoi, c'est passé comment? Bah en gros je suis sorti avec 5 boîtes de mun, il y a un flic qui m'a vu sortir du truc. Ouais, il me dit ouais, contrôle et tout. Je me fais contrôler, il me dit vas-y, je fais genre j'ai pas vu les boîtes de mun, range-les. Donc je vais vers chez moi, vers ma maison, il me dit bah retourne là-bas. Je dis bah non, là-bas c'est un garage moi, mes mun je les range chez moi. Tu vois, je fais exprès d'être con. Je dis mes mun je les range chez moi, parce que j'étais chez moi, y'a rien. Je vais chez moi, je les range, hop, je ressors. Ils ont perquis la cave, what the fuck man. Pourquoi? Ils t'ont pas laissé un mot, rien, ils t'ont pas laissé ouvert. Rien, j'ai juste vu, il y avait un... Tu sais, les barrières de police, là. Mais le flic, tu dois le reconnaître. Hein? Le flic qui t'a fait ça. Ouais, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas son nom matricule. Ah, mais tu sais reconnaître, Au pire, t'es qu'à t'es lié à Slim dans la cause, hein. Ils m'ont juste vu sortir d'un entrepôt. Qui te dit que les boîtes de munitions, je les ai pris dedans? J'ai en dit fait, c'est un garage en plus. Et il y a une voiture dedans. Ouais, mais en fait, à partir du moment où il te voit sortir et qu'il te fouille et qu'il te prend, il te voit les boîtes de munitions, bah pour lui, le garage est louche quoi. C'est ce qu'il s'est dit. Surtout que j'ai dit, je range les munitions chez moi. Je fais exprès d'être con. Grave con, man. Ouais, mais de toute façon, je vais pas te mentir. Dans tous les cas, leur prise, elle est bonne. Donc vis-à-vis d'un juge, ce sera jamais remis en cause. Donc, mais si tu es heureux qu'il n'y a pas de poursuite te concernant, hein, au passage. C'est parce que t'as pas de poursuite. Ils t'ont juste pris aucune, ce qu'il y avait. Je sais même pas, je crois que cet entrepôt il est même pas à mon nom. Bah, à mon avis, c'est un peu. Et ils ont pris l'hôtel d'Awax aussi, qui était caché dedans. Ouais, ils faisaient ça en mode illégal, je pense, hein. Parce que sinon t'aurais eu des poursuites logiquement, tu vois. Mais t'as la tête du flic, de toute façon, c'est-à-dire moi, ce que je te propose, c'est en tous les cas, là t'es en perte, tu récupéreras pas, t'es 1,2 million. Mais compense, t'as vu de limite la casse. Essayer de gratter un maximum avec ce flic. De toute façon, mec, t'as vu avec les business qui sont mis en place, les connexions qu'on a, le bif, il se fait en 2-2. Bah, le problème, c'est que frère, là, j'ai plus d'armes, ça fait 5 jours que je t'attends pour une commande, Renoir. Ouais, je t'ai dit d'attendre, il est là au final, tu vois. 5 jours? Bah ouais, Renoir. Là, ça fait les grapes, ils attendent une commande. Ah non, bah je dois en avoir une pour toi alors. Ouais, j'en ai une qui traîne. Bah ouais, c'est bon. Ben non, t'as récupéré de toute façon. J'étais venu vendredi pour ça, Dash. Ouais, j'ai récupéré. Juste Skittles hier, il a mal parlé. Du coup, bah, je te l'ai pas sorti, Skittles. Hein. Ce sera comme ça tout le temps. Ah bon? Je t'ai dit quoi? Tu feras tes petites crises de compte bébé là. J'ai rien fait hier. Je t'ai dit, elles sont où les armes? Tu m'as dit, je les ai pas, faut attendre Makila et fin. De toute façon, il a raison, c'est moi qui gère. Et vas-y, de toute façon, t'inquiète pas. Et hier, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on fait? Mais c'est pas que je boude, frère. C'est que j'ai un bis, je dois le faire tourner, frère. Hier, t'es pas chaud, hier. Tu sais ce qu'on fait? Je te rappelle ce que tu m'as dit quoi hier? Je me souviens plus. Ah bah, non mais écoute, t'as vu bah les couilles de vos histoires là. Là ouais, je te parle d'un truc, c'est pour faire avancer les choses. J'arrive t'es pas dans chaud. Deux secondes, je suis désolé, j'arrive dans deux secondes. T'attends encore. Vas-y. Attends. Non, genre, attends, Makila, deux attends. Jours. Makila, non, important. Ah non, écoute. T'attends genre encore deux jours et je te fais une grosse commande, genre tu reçois 9 pétards d'un coup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 10 pétards là, d'un si, coup. Là, s'il en a déjà 5, j'en reçois 5 dans deux jours, c'est bon. Ouais, mais comme ça, je te fais un. En fait, je te fais un prix. Comme ça, tu as vu, tu peux te revendre plus cher et tu te fais de l'oseille. De toute façon, je peux pas te l'acheter. Hein. Et comment ça? Allez, couille, on te fait un chrome. Mais tu vas me filer les trucs, je vais les vendre et je te ramènerai l'oseille après. Hein. Mais comment ça? Je vais me faire perquis 2 millions. Tu crois je suis la bourse en gros. Pas de perquis, t'as rien. Ben, vends ta caisse. Hein. Mais je vais pas vendre ma caisse, Renan, je suis pas un clochard. Là, je vais me refaire avec mon entreprise. Là, au début, je vais l'ouvrir. Écoute, sous mec, le radar, moi, Renan, tu veux que je te dise un truc, mec? T'as vu, si je te mets un chrome, t'as vu, c'est la voie de la facilité, t'as vu? C'est la voie de la facilité, c'est-à-dire en mode, ouais, bah vas-y, j'ai ton bac, c'est la famille Skittles. Ouais, moi je suis prêt à avoir ton bac, l'oseille, c'est pas un problème, t'as vu? L'oseille, c'est pas un problème. Ça, on peut t'avancer, te mettre, t'as vu, les pétards, bah les couilles. Mais le problème, c'est que ça te rend pas service à l'avenir, mec, dans le business, t'as capté? Parce que normalement, un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Et dans le business, faut être un chat, mec. T'as vu, c'est 1 million de M, là, je sais pas quoi ma bite. C'est pas normal qu'en une perquise, t'es hors game, mec. T'es hors game, tu sais plus de quoi te payer une commande. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Normalement, il y a toujours. C'est pas normal ce qu'il a fait Slim, frère. Là, moi, je vous le dis. Hein. Moi, là, je vous le dis, pour moi, c'est plus votre faute que la mienne ou que celle du SASP. Hein. Fais attention parce que moi, faut pas commencer à me mettre dans ce sujet de conversation. Renoir, parce que moi, Slim, j'ai des arguments. Moi, t'as vu Skittles, je me tais, mais clairement, j'ai des arguments contre toi. Là, je peux t'en sortir. Ouais, mais peut-être, je sais ce que donc, tu vas me dire, mais de toute façon. Pas, mec. Je te dis, mais frère, Slim, il m'a mis dans une merde, c'est tout. Slim, il m'a mis dans une merde. Moi, je sais pas, il avait volé un bon. Je crois qu'il avait juste PO l'agent. Je me dis, vas-y, chill, c'est bon, il y aura rien. Écoute, moi, je vais te dire, il y a 20 000 arguments qui sont contre toi pour moi, t'as eu.
Maintenant, tu parleras avec Slim, t'as vu. Je vais même pas leur dire les arguments, je m'en fous. Arrangez-vous, t'as vu. Parce que si je dis les arguments maintenant, tu vas croire que je prends leur parti ou quoi. À dire que c'est pas le but. Ah non, c'est juste que moi, je prends votre bac aussi. Hein. Y a pas que toi qui prends mon bac. Moi, que tous les jours, je fais des trucs pour vous et je bosse pour le quartier. Derrière là, tu me dis, tu peux me faire un chrome parce que ça va m'apprendre. Ça m'apprendra. J'ai pas dit que je peux pas te faire un chrome. Je t'ai dit, l'oseille, c'est pas un problème. Tu veux le chrome, tiens, prends-le, mais ça te rendra pas service. Tu sais pourquoi? Parce que au final, je vais te dire un truc. Tu dois censé être capable de retomber sur tes pattes. Sais, t'as Renaud, vu? Je sais, cousin, là, j'ai cousin. Fait... Après, c'est cousin, une erreur de débutant, mais frère, tu sais très bien que ça aurait jamais dû arriver. Ça aurait jamais dû arriver. Non, mais regarde, je vais te dire un truc. Hein. T'as vu, c'est parce que c'est nous et c'est nous qui avons le business. Mais imagine maintenant que t'es chez un autre fournisseur ou quoi que ce soit. T'as vu? T'es hors game, mon gars. Tu vas pas lui parler de chrome, il va dire bah les couilles de ta perquise, machin chouette, je vais voir ailleurs. T'as eu celui qui a le moi je les livre, t'as raté ton bus, t'as raté la commande, t'as raté le train, mon gars. Je sais, Renaud, mais hey, tu sais très bien que ça aurait jamais dû se passer comme ça, frère. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, il va te dire quoi? Même moi je serais à sa place, je serais un mec, t'as vu, on serait pas de. T'as vu, issu du même quartier, ou t'as vu que je t'ai pas connu petit et tout, que j'ai pas connu ton ref. Cousin, je t'aurais dit quoi? Nique ta mère, c'est pas mon problème, va braquer, va tuer, je m'en bats les couilles. Oui, mais t'as pas tort, Renaud, mais je suis en train de te dire juste que ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. J'ai aucun problème avec les keufs, j'ai aucune raison d'avoir un mandat sur la gueule. Pour moi, je suis protégé. Là, ils ont décidé de faire des perquis sans mandat, c'est une nouveauté. Je pouvais pas pré-shot ça. Ils ont fait une mise à jour maintenant, de toute façon. Mais ouais, ils ont fait une mise à jour. Maintenant, je te le dis, là, si tout de suite il faut une commande, je vends trois trucs, j'ai en deux jours, je l'ai. En deux jours, j'ai l'oseille. C'est juste que là, moi, ça m'arrangerait bien. Moi, je te le dis, j'ai ton bic, je suis un fou, frère. Je suis fatigué, ça veut dire que je vais aller dormir. Hey, je suis fou, frère. Dom, je suis fatigué, je vais aller dormir. Mais j'ai ton bac, t'inquiète. Moi, t'as vu l'oseille, comme je t'ai dit, c'est pas un problème. Les pétards, je te les avance. T'as vu, je te donne même pas de date pour que tu me rendes l'oseille. Refais-toi, je m'en bats les couilles. T'as vu? Mais je te le dis juste que, mec, si on doit parler pur et dur et businessment parlant, Skittles, la tête d'homme, cousin, t'es censé savoir retomber sur tes pattes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es censé aller me chercher là ton stock que t'avais prévu au cas où ça pète. T'as capté ou pas? Parce que là, ça veut dire quoi? T'es hors course. Tu captes ou pas? Je suis pas hors course, frère. Là, non, si j'étais avec un fournisseur, là, en 24 heures, j'ai l'argent. Je te dis juste que là, moi, ça m'arrangerait parce que ça éviterait que je me fasse cramer. Parce que là, mon entreprise, je vais vendre sous les radars en attendant. Je vais éviter de faire des transactions bancaires. Avec les si on refait le monde. Je peux, là, il me reste des pétards. J'ai plein de voitures. Je peux vendre plein de trucs. Je peux vendre plein de trucs. C'est juste que là, écoute, tu sais quoi, ça m'arrangerait dans l'instant T d'éviter de me faire remarquer là, tout de suite. Eh ben, écoute, tu sais quoi, mec? Regarde, je vais te dire un truc. Montre-moi que t'as l'oseille là maintenant, que t'as de quoi payer la commande. Et si tu m'apportes le cash, et t'as vu, ils vont pas demander des prêts. Hein, je m'en bats les couilles. Hein. T'as vu, fais-toi toi-même, sois prêt à payer la commande. Et tu sais quoi, si tu me les apportes, cousin, je te fais le chrome de ta vie, c'est bon ou pas? Ben vas-y. C'est bon ou pas? Juste, je veux que tu me montres que t'es capable, mec, parce que là, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, c'est... Je te rends service en faisant ça, mec, crois-moi. Parce que t'as vu, le but, c'est pas que t'aies des chemins de facilité, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est nous. Parce que oui, c'est nous qui avons le business et tout, donc t'as vu, ça tombe bien, mais c'est le hasard des choses, ça aurait pu très bien être quelqu'un d'autre. Tu captes ou pas? Moi, je sais que si demain, j'ai mon stock qui tombe, j'en ai un autre ailleurs. Un autre ailleurs et un autre ailleurs. Les cops, ils peuvent me perquiser au moins deux fois que je suis à chaque fois retombé sur mes pattes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, t'as vu? Apporte-moi l'oseille. On regarde combien tu fais. Et puis, t'inquiète, t'as vu, je te relance, c'est pas un problème ça, l'oseille. Mais juste, t'as vu, cousin, le bis, c'est le bis, mec. Si je te dis de faire ça, c'est pour toi et à l'avenir. Parce que ça se trouve, cousin, moi demain je serai mort d'une balle dans la tête par des ennemis. Donc, mec, c'est pour toi, mec. Donc, t'as vu, réveille-toi. 1 million, si tu les as fait, c'est que tu peux les refaire. Facile. Donc, t'as vu, même c'est le moment d'être calme, faut prendre les risques, mon gars. C'est pas la vie, c'est pas comme ça. Tu claques des doigts, bah vas-y, tranquille, c'est Makila, c'est la famille, il va me faire un chrome facile. Non, mec. Moi, je sais que Draco aurait voulu que tu te refasses et t'aurait envoyé te faire foutre. Pour ton bien, parce que demain, ça se trouve que tu seras en solo ou quoi, on sera pas là. Ben, t'as vu, au moins, t'as vu, t'auras toujours ce réflexe de retomber sur tes pattes et de prendre des risques, même si t'es à terre. T'as vu, toujours te raccrocher à quelque chose. Mais cousin, le chemin de la facilité, crois-moi que si on t'habitue et qu'on s'habitue trop comme ça, c'est mauvais pour personne. Enfin, c'est bon pour personne. Donc, crois-moi, je te rends service. Trouve l'oseille et t'inquiète, tu le garderas l'oseille et je te libérerai des pétards, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Vas-y, mon gars.
Non mais évidemment, il a les arguments. Il a les arguments, c'est logique. En vrai, il y a trop d'arguments pour counter le truc. Mais après, moi, mon perso, les gars, je vous l'ai déjà dit. Hein. Même l'histoire de Mensa, par exemple, qui a tué Rondo. Quand t'écoutes les deux versions, les deux ont raison. Genre, Skittles a raison de tuer Mensa parce qu'il a tué Rondo. Sauf que Mensa avait raison de tuer Rondo quand t'écoutes Mensa. Mais moi, quand tu prends mon point de vue sur la perquise, j'ai raison. Si tu prends le point de vue de Samzer, il a raison. Il me doit rien, tu vois. Donc, t'as capté? Tchac. Ouais, mon gars. Yo, Wagwan, tranquille. Ouais, tranquille. T'es dispo, je t'amène la chino, là. Vas-y, je suis à Skitokaz, là, en face du LTD. Vas-y, carré, j'arrive. À toute, mec. Pourquoi on voit pas le LTD sur la minimap? Tranquille en fait. Ouais. Wagwan. Bah, ah ouais. Tranquille. Bien et toi? Ouais. Ah j'ai chaud. Hein, c'est quoi les véhicules? Vas-y viens, je vais te faire montrer. Viens. Alors, dans le quartier hein. Deux les apporteurs déplacés. Comment on fait là pour qu'on le voit sur la minimap? Ouais. Vas-y, viens voir. Ouais, j'ai vu. Merci, Z. Merci. Je veux voir. M'énervez pas. Je veux voir. Je veux partir en couille. Il y a la... Comment ça s'appelle? Intruder? Non, il y a pas la Washington, là-bas, là. Ouais. L'intruder, je sais pas. Faut que je vois. Et ça j'ai un quad aussi. Ouais, j'ai mon quad aussi que j'en... Quad? Un quad de ouais, coup. Un bon quad. Vas-y, ramenez tout sur le parking de l'entreprise et on voit. Alors, regarde, Skid, t'en penses quoi de cette nouvelle voiture? Ramenez les papiers et tout. Laquelle? C'est une voiture que je vais prendre pour aller en soirée. La Kanjo, la petite, là? Ouais. Ça pue sa mère. T'as dit quoi? Ça pue sa mère, ça. Quoi? Mais t'es fou, toi, quoi? Gang. Ouais, moi, j'aime pas les petites voitures comme ça. On dirait des voitures de Playmobil. On dirait des voitures de puceaux, frère. Je te jure, incroyable. Mais genre, c'est une voiture que je vais pas la mettre dans le sale. Allô? Ouais, ouais, dis-moi. Ça va, Skittles? Ouais, ouais, ça peut aller, et toi? Ouais, ça va, je t'appelais pour avoir des nouvelles de toi. Ben, je raconte rien de spécial, hein, j'ouvre mon entreprise, là. Tu commences à prendre entreprise des coups, de quoi? Bah, hein? Entreprise de quoi? Concession d'occasion. Je sais, frère. Je vends des voitures. Oh, vas-y, raccroche, là. À toi. Hein? T'es connu plus heureux que ça pour quand pour quelqu'un qui vient d'avoir une entreprise, quand même. Ouais, bah tu connais, hein, levée de fonds déjà, et ouais, des galères, hein. Tu sais, il arrive des galères à tout le monde, non? Ah merde. Ouais, surtout à cause de tes fils de pute de collègues, par exemple. Tu vois? Comment ça, Skittles? Qu'est-ce qui se passe? Bah yo, tes collègues, c'est des fils de pute, man. Le code noir Inglewood, là, y'a des bavures toutes les 10 minutes. Ils frappent des gens? Ouais, ils frappent des gens et tout, ils font des perquises, ils niquent tout. Bah, alors, les perquis, c'est un code noir. Frapper des gens, par contre, si. C'est pas un code noir, ça. C'est un code anti-noir, ça. Eh, hey, Skittles. Skittles. Frère, non, yo. C'est la première fois qu'il y a un code noir depuis 1000 ans, Skittles. 1000 ans. Fuck les flics, man. C'est des enfoirés, surtout les flics du sud. Je crois que je vais venir habiter dans le nord. Hein. Avec plaisir, on t'attend. Vas-y, vas-y, Renoir. Bah, si tu veux passer, demain, il y aura un showcase dans mon entreprise. Vas-y, bah, je passerai. Vas-y, mec, big up. Là, vas-y. Yo Ted, ça va? Ouais, Skittles, tranquille. Tranquille, tranquille. T'as ramené ta caisse là? Attends, viens voir. Ouais, elle est là-bas là. Ok, carré, carré, Renoir. Je te mens pas, j'ai pas les contrats qui sont prêts. Normalement, je fais des contrats pour évidemment attester que je vais pas te la voler ta caisse. Ouais, ouais, ouais. Mais tranquille, de toute façon, tu peux passer tous les jours ici. Elle va être en. Tu vois là où il y a la caisse bleue, elle va être à côté. Tu veux la vendre okay, combien? Ok, vas-y. Bah, je sais pas, on m'avait dit 25, ça pouvait partir dans mon squat, toi. Ouais. 25, ouais, je te mens pas, je suis pas encore expert hein, là, je viens d'ouvrir donc je sais pas. Parce que à vos 28, elle est full perf. Elle vaut 28, elle est full perf. 28 au concess, ouais. Plus 25, les perf. En vrai, c'est peut-être un peu cher, mais. Ouais. C'est peut-être un peu cher, je peux essayer. Et, si... et toi, tu prends ton billet dessus du coup? Ouais. Prends combien? Bah, c'est ça le truc, c'est que moi, t'as vu, si tu la mets à 25, moi aussi, je vais essayer de la vendre 27, 28, tu vois, je sais pas. Vas-y, sinon, mets-la à 22.
22, vas-y si tu veux. Ouais, 22. Ça, tu prends ta marge dessus. Vas-y, je note 22, j'essaierai de la vendre vers les 25. Et je te dis, de toute façon, là, en gros, le système du dépôt-vente, c'est que tu la déposes ici, elle reste, et dès qu'il y a un acheteur, je te contacte et je te fais l'oseille. Toi, tu t'en fous, virement liquide ou tu veux absolument l'un des deux? Rien à foutre. Du moment que j'ai le cash, mon gars, ça me va. Ok, c'est carré. Vas-y, d'ailleurs, tu tombes bien, je voulais te voir aussi. Ouais. Parce que j'ai. On m'a dit que tu rachetais des tableaux, toi. Ouais, je rachète les tableaux, Renan. J'en ai 72. 72, ça fait combien d'oseilles? Ça se fait un paquet. Hein. Ça fait genre presque 10K. 72, je te les achète 130 comme tout le monde, 9300. Ouais. Vas-y, tu les as là sur toi? Non, mais je peux te la récup vite fait. Ouais. Vas-y, vas-y, bah je vais aller chercher l'oseille et le temps. Vas-y, tu m'appelles quand c'est ok. Tu prends cette caisse du coup? Non, non, vas-y, je vais dans la futo là. Vas-y, juste prépare-moi les. Comment ça s'appelle? Les tu veux clés, la clé, carte grise? Carte grise, ouais. Comme ça, je la ferme bien. Carré, carte grise. Vas-y, c'est bon, mon gars. Vas-y, gang. Vas-y mec. Tu me rappelles quand c'est ok. J'arrive, bah de toute façon là dans 2 minutes hein. Le temps que tu fasses l'aller-retour, okay, je serai vas-y, là nickel. Vas-y mec, à toute, attends je la gare. Ferme ta chatte Skittles. Il est allé bosser avec d'autres gens quoi. Parce que frère, eux maintenant ils vendent des pétards, ils s'en battent les couilles. Là là. C'est toutes les combien de temps à la cadence? Je sais pas hein. Ça dépend très... Ça dépend. Alors c'est lui le microbe que tu m'as ramené. Ouais les gars, tranquille. Yo Wagwan, ouais, tranquille. C'est lui le microbe là. Ça va et toi mon gars? Un bon petit microbe les gars, hein, qui c'est va vous rendre riche. Vous mettez des masques, hein. Moi je suis vraiment un microbe, je suis une maladie. Oui, je te connais pas. Je sais pas d'où tu viens. Pas quitté, hein. Je m'en bats les couilles. Ok. On m'a dit que tu bosses toi, que tu bosses bien. Ouais, hein. ouais, moi je, ça fait un moment que je bosse, je suis dans le biz. Hein. Moi j'habitais à Liberty avant, j'ai fini par traiter avec les grosses têtes de Liberty pour... faire l'intermédiaire de pas mal de business et aujourd'hui bah t'as vu je suis à Los Santos avec mes Renois et j'essaie de faire la même hein. Et sans mentir jusqu'à maintenant ça marche bien hein. Moi en gros ce que j'ai à te proposer principalement c'est tu vois bah chaque personne dans à Los Santos a une importance tu vois pour différents biz tu vois par exemple tu reprends des trucs mais ton voisin il reprend des trucs aussi et ces trucs là ça peut t'intéresser mais vu que ton voisin c'est ton ennemi t'as pas envie de bosser avec lui en frontal. Et ben moi je suis là pour intervenir. Tu me revends les trucs, je fais l'intermédiaire et tu te fais de l'argent sur la gueule de ton ennemi. Même regarde, on va faire simple. Ouais. On va faire très très simple. Moi pour l'instant, envers toi avec tes gars, bref, ils savent qui je suis. Toi pour l'instant, je te connais ni d'Adam ni d'Eve. Ouais. Pour l'instant, on va bosser comme ça. Tu vas prendre à tous les autres enculés qui sont dans la ville, tout ce qu'ils peuvent traîner. En tout ce qui est peinture, bagues. Je prends aussi les bagues en or avec un petit rubis vert. Ouais. Je prends aussi les colliers. Tu vas rester sur le même terrain. Tu continues sur la même lignée que t'étais. Ouais. Dès que t'as une grosse commande, chaque semaine, tu me fais un aide, tu passes par tes grands. Ils m'appellent, on se fait un rendez-vous, je récupère. Et en 24 heures de temps, tant que je vérifie tout, voir si tes tableaux sont nickel, ceci, cela, je les ramène à mon grossiste. Il vérifie, je récupère la caillasse et je te la file. Je te file ta part. Ok. Ok, ça marche, yo, ben, pas de soucis, hein, moi, je suis sérieux. De toute façon, des actes vaudront mieux que 1000 paroles, hein. Mais sachez que les anciens contacts avec qui j'ai bossé pour les tableaux, sur, je dirais, sur un mois, on a fait 1,5 million chacun. Donc, eux, ils ont fait 1,5 million et moi, j'ai fait à peu près pareil. Ok. Donc, autant vous dire que la cadence, elle peut être élevée, hein. Après, en ce moment, j'avoue que les tableaux, ça circule un peu moins. Mais ouais. Si c'est un bis qui vous intéresse et que les prix sont intéressants pour moi comme pour vous... Je peux carrément inverser la tendance pour que les tableaux ce soit dans l'actualité, tu vois. Tu vas me rendre déjà un service. Bon, les latinos, c'est pas trop ma cam. Moi non plus. Tu vas devoir changer un peu d'elle. Hein. Tu vas aller t'occuper un peu de tout ce qui est colina, mes couilles là. Ouais. Ces enculés de trucs, c'est, tu vas gérer tout ce bordel là. Le quartier Inglewood, tu gères ces deux quartiers. Tu me ramènes chaque semaine. Exactement, on va faire tous les vendredis. Enfin, aujourd'hui, on va le faire maintenant, mais tous les vendredis, okay. À une heure précise, on se rejoindra à une position que je t'enverrai. Je te poserai un véhicule, bref, ceci, cela, ou un gros camtar quelque part. Tu poseras tout ce qu'il y a à poser dedans. Tu te casses, je te renvoie une position quelque part. C'est la seule fois que tu vas me voir, je vais pas te mentir. C'est pas l'ancien. Les prochaines fois, tu récupéreras ton osée, soit dans une voiture, soit dans un appart, soit je ne sais où. Okay. Et ta caillasse, tu la récupéreras toujours à chaque fois. C'est bon, moi tant qu'il y a l'oseille et qu'on sait à qui on a affaire, moi ça me va. Hein.
Y a pas de souci, hein. T'inquiète pas, tu comprendras qui je suis. La prochaine fois, peut-être, je me démasquerai le jour qu'on se reverra. Ok, man. Bah, pas de souci alors. Avec plaisir. Donc là, t'en as combien là en tout? Là, j'en ai pile 743, j'ai compté là. Ça va prendre un petit moment. Mais quoi, t'es collectionneur, hein, putain. Ah yo, bah, non, non, on est dans un coin, dans un réseau, les gars. Je vous le dis carrément, hein, moi je fais pas semblant hein, pour faire du biz. Hein. Et bah, relance le move. Des tableaux chaque semaine, tu les préviens. Tous les vendredis, tu dois livrer. Les samedis, tu récupères l'oseille. Aussi simple que ça. Parfait. La caillasse, s'il y a de la caillasse à se faire, on relance le business, on relance les fours. Et t'inquiète pas que tous tes tableaux partiront. Si c'est de la merde, tu seras prévenu. Parfait. Bah, l'oseille viendra et si jamais vous avez des mauvaises qualités, faites-moi remettez-moi les trucs. Moi, je note, hein. Je note chaque tableau qui rentre. Je rachète à tous les petits. Le petit qui me ramène de la merde, je le pull up sa mère. Hein. De toute façon, c'est simple. Quand ça sera de la merde, quand tu récupéreras ton sac, il y aura les tableaux de merde avec. Je les garderai pas. Ok, ça marche. Tu les récupéreras, tu leur donnes, tu les accroches où tu veux. Pas de soucis, après, man. T'en fais ce que tu veux. C'est bon pour toi. Ça me va. Ça me va. Okay. Et niveau tarif, à l'unité, vous êtes à combien? Alors, là, c'est... On va prendre rendez-vous avec le grossiste. T'inquiète pas, tu auras une très belle part. Si la part ne te va pas, on discutera entre nous. Ok, ça marche. C'est bon pour toi. Pour que tu saches, moi, dans la rue, je les reprends entre 120 et 140. Donc, voilà. Et à mon ancien revendeur, il me les a achetés 210. Okay, bon. Alors, le problème est que je vais être cash avec toi, mon grossiste qui me rachète et qui envoie un peu dans l'Europe, en Afrique, un peu partout. Le problème est qu'il y a, tu connais, il y a des peintres qui valent pas ta patate d'oseille, des signatures qui vaut beaucoup, et il y a des signatures, c'est de la merde. Ok. Et ce que j'ai attendu, c'est qu'il y a des signatures, les plus basses, c'est ceux que tout le monde peut avoir chez soi. Juste à moi, le bénéfice est de $150, il me rachète $150 cash. Le tableau le plus éclaté, la signature qui vaut le moins. Et après, il y a des signatures qui peuvent monter un petit peu. Okay. De toute façon, je sais ce qu'on va faire. Là, tu vas me passer les tableaux. Je vais te faire une liste avec une photo de tableau. Tacte bien proprement le bénéfice que tu prends. Je te donne la feuille. S'il y a un prix qui te va pas, on négocie entre nous. C'est bon, man. Parfait, alors. C'est bon pour toi. On est part comme ça, alors. Mayo, je vais charger ce qu'il faut dans le camion et vous revenez vers moi, alors. Hein. Vas-y, je t'attends. Ah, t'inquiète, on fait ça comme ça. Pas de galère. Attendez, je vais aller. On va vous charger ça, les gars, et on... Voilà. Bah parfait les gars, parfait. Ouais, demain je vais dire mes gars. Et viens, je vais te parler vite fait. T'as besoin d'aide mec ou c'est bon? Yo tranquille hein, y a trois cartons remplis, je vais m'en occuper, t'inquiète. T'appelles comment toi? Skittles mec. Et toi? Ok Skittles. Hook. Hook. Gang. Vous êtes des anciens de la rue? On bosse frérot. Ok ok. Parfait, le dernier carton man. Bon, vous allez voir, il y a de la quantité hein. J'ai regardé ça. Encore une. Faut emballer au propre ou pas? Tout est emballé man dans du film truc là, bulle. Papier bulle. Le truc satisfaisant là. Il faudrait pas que dans le transport les tableaux soient abîmés. Ce serait dommage qu'un coup de vol on pète tout. Ne vous inquiétez pas, c'est carré. Ok, c'est clean, Skittles. Merci SLM Cargo. Parfait, Skittles. Merci pour ton prime. Bon. Vas-y, ça marche. Hein. Bah, merci à vous en tout cas. Les boss, ils t'ont dit que c'était bon, ils allaient te recontacter. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ils parlent avec mon big là, mais c'est carré. Tu viens d'où toi, Skittles? North Singlewood, Renoir. Et j'habitais à Liberty, j'ai grandi à Liberty moi. Vera, putain, North Singlewood, c'est quoi? C'est Inglewood ça ou c'est pas la même, North Singlewood? Si, c'est Inglewood, c'est côté unicorn. J'ai vos culs, les gars. Ouais, c'est la même, ok. Allez. Vas-y, nickel. Vas-y, big up, les gars, bon courage. Allez, alors. À plus tard. Putain, ce qui t'a. À bientôt, respect. Ton gars, il va t'expliquer un truc. Vas-y, les gars. Pour vas-y. Plus tard. Ça marche. Allô. Allez, vas-y, go. C'est comment t'as livré? 57. Vas-y, bah, restez à l'affût pour les 250. Vous allez les récupérer, là. J'ai aucune idée. Je vais l'appeler tout de suite. Un rendez-vous après, croquin. J'appelle Sim, monsieur à l'hôpital. J'ai dit, tu l'as rendu? Il me dit oui. Je dis bah. C'est quoi le dosh? J'ai nul de la semaine avec toi. Il y a Kefta devant c'est là. C'est un ennemi lui là. Vie de ma mère, c'est un ennemi. C'est un ennemi juré, Slim. Hein. Ça, Slim, allez dans la rue. Mais toi, t'es le pire ennemi d'Engelo. C'est toi le plus gros ennemi. Ta tête de Yakuza. Va faire baiser parce que je vais te cut. Toi, je vais.
Toi, je vais te cut, toi. Ah, ça va, je t'ai jamais fait. Oh, Tash. C'est moi, je vais cut. Ah, c'est Lip. Ouais, mon gars. On va mourir. Ça va, mon ski. Pourquoi y'a des gens en quartier? Il est là, Makila, ou quoi? La pose de tes gars. Ta gueule, toi, je t'embrasse sur la bouche. J'attends sa pose de ce fils de pute. En fait, c'est parce que t'es un flopper, Skittel, c'est pour ça. C'est toi, c'est toi, flopper, frère. T'as pété un pont pendant deux jours, t'as fait... Tu sais qu'il y a un code noir, tu fais quoi, toi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de bouger un minimum d'affaires, tu mais fais quoi? Mais arrête d'être con. En gros, samedi, j'étais pas là pendant ton putain de code noir. Ça fait du bien. Et ensuite, libre, hein, le dimanche, je suis sorti de chez moi, tu m'as dit viens la manif, viens c'est la pas, manif, viens c'est la pas manif. Mon putain de code noir, c'est le code noir des cops. T'as si, vu si, c'est toi, frère, c'est toi qui a provoqué ça. Oui, j'ai provoqué ça pourquoi? Parce que le mec il fait un focus sur nous, tu vois, il vient, il contrôle tout le monde au faciès. Mais t'as vu si, quand t'as un bonhomme dans la rue, t'assumes, t'as vu? Au lieu de jeter la faute sur les gens, t'assumes et maintenant t'assumes et tu vas de l'avant, cousin. C'est comme ça que ça marche. Là, tu cherches des gens et tu pleures, j'ai l'impression de voir les petits skittles de Liberty. T'inquiète pas, frère, quand je vais racheter ton appart, toute ta maison, toutes tes voitures. Bah, grandis, bah, tu vois, si t'as besoin de prouver ça, c'est je mets des bzous. Grandis, je corson. C'est juste, frère, tu préviens personne, frère, tu fais tes trucs de ton côté, après tu veux te prévenir, ça te concerne ça, ça te concerne. Mais bien sûr que ça me concerne, j'habite à Englewood, frère, t'as mis tout le quartier dans la merde. Dash, Makila et moi sommes au courant. Et t'as vu ce move là en question, c'est réfléchi à 3. Tu vois, bah, toutes les décisions sont prises réfléchi, à 3. C'est réfléchi, mais personne n'est au courant. Personne c'est pas, non, les têtes sont au courant. Et les têtes ont pris ces décisions là. Et les têtes ont agi encore aujourd'hui. Et ben, encore, et ben, t'as vu par exemple Moski, il habite au quartier, il aurait pris une descente chez lui, il était pas au courant. Bien joué. Et bah écoute, code noir, tout le monde était au courant, il fallait juste déplacer. Nous-mêmes, on était au courant, on a déplacé. Mais samedi, j'étais pas là. Faut t'informer de quoi? Je suis pas là. Le soir même, fallait t'informer, cousin. C'est tout, tu vas te refaire. Tu vas montrer que t'as l'écro, tu l'as fait une fois, tu veux je vais montrer que j'ai l'écro, mais en dehors de ce quartier, moi, t'inquiète pas. Ouais, vous avez même pu toucher un dollar, tu vas voir. Ouais, bah prends tes affaires et bouge, je vais te chouiner. C'est pour enrichir des boucs comme toi qui foutent dans la merde tout le monde, man. Fuck you. Yo, va te faire foutre, man. Va te faire foutre. Problème, Skittles. Ce faux Renoir là. Elle est où ma caisse? Tu me dis, embarquer Skittles dans un endroit. Viens, yo, me touchez pas, je vous jure, je vous pétarde. Fuck you, man, Pétarde-moi, s'il te plaît. T'as mis tout le monde dans la merde, frère. Après, tu viens me lever une arme sur moi, frère. Fuck you. Et frère, yo, elle est où ma caisse? Yo, man, reviens là, man. Yo, lève une arme sur moi, man. Levez juste une arme sur moi. Le braque pas. Tu me donnes juste une raison de me barrer d'ici, yo. Fuck you, man. Ramène-toi, on va aller discuter. Viens. J'ai pas envie de discuter avec toi, man. J'ai pas envie de discuter avec toi, Renoir. J'ai pas envie de discuter avec toi. Ramène-toi. Je vais pas me ramener, frère. Pourquoi j'ai rangé ma caisse là, wesh? Les gars, là, on s'apprête. Bouge pas. Tu m'as fait sursauter avec ton bruit. Fuck. Mon dans l'exemplaire, enculé, là. Et donne-moi ton tel. C'est quoi, ça? Tiens, mon tel, frère. Vas-y, crap. Wesh, dose. Oh, j'ai trop... Je vous jure, j'ai eu peur IRL. Ça grand rire. Ah ouais. Ah ouais, quoi? Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. On est comment, dis-nous? Bande de bâtards, va. Vous êtes des traîtres. Ouais, maman. Pourquoi vous croyez, je les vois pas, vos tatouages et tuer dans le cou, frère, bande de bâtards. Ouais, j'ai le colis là, maman, j'ai le colis. Tu peux voir, hein. T'es où, maman? Donner raison à des nouages, frère, alors qu'ils ont rien fait. Et t'as fait quoi, toi, est-ce qu'il t'a... Ben, moi, j'ai fait quoi, moi? Tu veux savoir ce que j'ai fait, frère? J'ai fait certainement plus que toi dans ce quartier. T'as pas tort, hein, Skittles, t'as pas tort. Mais vu ton statut et sucer tout le monde, je suis pas comme ça. J'ai jamais sucé personne, mon pote. Hein. Peut-être toi tu suces ou peut-être tu te fais sucer, je sais pas. Moi je suis le seul qui a osé ouvrir sa gueule à un grand. Parce que vous, hein, il se passe des trucs, vous dites rien, frère. Ils foutent des codes noirs par leur faute pour leur petite vengeance personnelle et après, nous on subit tout, frère. J'étais en vacances, moi, avec une pute. Qu'est-ce que je m'en fous du code noir? Je suis revenu, le code noir. Peut-être toi, t'étais en vacances, mais nous, on n'était pas en vacances, frère. Et on a tous subi un code noir à cause d'un mec qui a juste voulu se venger personnellement. Et il a impliqué tout le monde dans son erreur, frère. Ah, tu l'en veux pour ça? Bah ouais, mec, je perds 2 millions à cause d'un mec qui vole un pompe.
Wow, 2 millions. Ouais, Renaud, bah ouais. Perdu 2 millions. Vous... C'est pas normal d'être énervé. C'est normal, voilà. Je dis pas le contraire. Donc, comprenez-moi aussi, frère. Hein. Moi, je suis pas. J'ai jamais été contre le 7, mec. Hein. Là, juste. Je perds 2 millions parce qu'il a voulu faire sa vendetta personnelle, man. C'est pas normal. Est-ce que tu penses qu'on a notre mot à dire, Skitten? Bah non, t'as pas ton mot à dire, mais il aurait pu au moins te prévenir. Toi, imagine, tu cachais de l'argent au quartier, tu cachais toutes tes économies. Et là, il y avait un code noir. Tu sais, je sais pas, moi j'ai eu un bad timing, ça fait, j'étais pas là quand ça a commencé. Et hier, je suis arrivé, j'étais direct dans l'émeute. Ça veut dire, si t'as pas le temps de te déplacer et que tu te fais tout péter, t'aurais pas la haine contre Slim, que genre lui, il ait lancé ça et que tu sois même pas au courant. Oh, moi, je comprends ta situation, Renaud. Moi, je te comprends. Moi, si à l'avance il m'avait dit ouais, frère, là je m'apprête à m'attaquer à un flic, ça va peut-être être chaud sur Inglewood, gros, j'aurais bougé tout dans la seconde où il m'aurait dit ça. J'ai rien demandé, moi je suis un dommage collatéral. Tu vas t'expliquer avec lui, hein, après que. Nous on n'a pas notre mot à dire, tu le dis toi-même, c'est un grand. On fait juste ce qu'il nous demande. Attends, est-ce que j'ai les reports? Ah, j'ai pas les reports depuis tout à l'heure, wesh. Demain, il me demande de tuer une grosse tête. Je le fais, hein. Un ordre, c'est un ordre. Ouais, je sais, frère, mais moi, il me donne des ordres, je les respecte. Juste là, yo, c'est trop pour moi. Ouais, je te comprends. C'est normal d'être énervé, Déjà, à Liberty, frère, quand j'étais avec eux, j'ai perdu tous les efforts que j'ai fait. J'ai perdu 1,5 million juste parce que les SMM, ils m'ont pull-up et qu'ils ont essayé de me smoke. Là, j'arrive ici, je perds 2 millions. Frère, yo. C'est 3,5 millions en tout, hein. Putain. Eh Renaud, mais là je suis. J'ai encore de l'oseille de côté, mais. Pour remonter la pente là, ça va être hardcore, hein. Qu'est-ce que tu fous dans la rue avec 3 millions? Je sais pas, moi. 3 millions, je me barre avec des putes. Bah, je sais pas. Ouais, moi je vais pas me barrer. J'ai une hein. villa. Là, j'étais à deux doigts d'acheter ma villa, frère. Maintenant, je te mens pas, moi je veux mettre bien le quartier, hein. C'est pas juste je prends mon oseille, je me tire, hein. Moi je voulais mettre bien les grands. Je voulais remplir les poches des autres, hein, parce que Makila il se fait de l'argent, mais tout le monde ne s'en fait pas, donc je voulais remplir les poches à tout le monde. Hein. Ouais, j'ai capté, Renaud, j'ai capté ce que tu veux dire. Après, comme je t'ai dit, c'est un ordre. Hein. Je pense qu'il va juste discuter avec toi. On verra bien, mec. Hein. C'est pas quelqu'un de méchant, ce qui est mort. En vrai, je t'ai ramené ici pour savoir un peu des raisons de. Déjà, pourquoi t'es énervé, je sais. Mais est-ce que tu comptes faire? Et là, ça reste entre toi et nous, hein, je te mens pas. Ce que je compte faire. Là, dis-toi, mes ordres, c'est de te ramener dans la cave et t'attacher jusqu'à qu'il y ait Makila. Ben, mais. À ton avis, mon avenir, c'est quoi, frère? C'est de me refaire, hein? Et te refaire de. À côté de nous, grave là? Ben, avec vous. C'est ça la question, quoi. Avec vous, hein, c'est juste que le problème, moi, je vais parler à Makila et à Dash, je vais les voir, je leur dis, ouais, mec, y'a un problème, je suis pas content. C'est entre guillemets la faute de Slim et tout, ils m'ont dit ouais mais t'inquiète Renaud, on va trouver des solutions. Bref, ils m'ont fait un peu des leçons, mais ils m'ont dit on va trouver des solutions, on va essayer de faire les choses. En blessant toujours, on se lâche pas, j'ai ton bac machin. Slim je le croise, il me dit ouais bah t'es qu'à pas cacher ça, ouais bah t'as qu'à te refaire au lieu de pleurer je sais pas quoi. Me refaire gros, j'avais 0$ en me réveillant, j'en ai déjà 500 000. Yo, je suis une pute moi, Moi frère j'ai les contacts, j'ai ce qu'il faut hein. Justement, t'as les contacts, tu vas te refaire. C'est vrai que ça casse les couilles parce que j'ai jamais atteint le million, moi. Toi, tu l'atteins plus d'une fois. Donc, tu vas les refaire. Tu vas te refaire. Mais je sais, je vais les refaire. C'est juste Slim. Moi, j'ai essayé de lui faire comprendre. C'est pas juste une question d'oseille. L'oseille, c'est matériel, frère. Tant que je suis pas mort et que je suis pas en taule, je m'en fous. Mais frère, Slim, il arrive pas à comprendre pourquoi je suis énervé contre lui. Alors que c'est lui et sa vengeance personnelle. Moi, je suis un dommage collatéral de zinzin. On a capté. Après, c'est peut-être pas ta faute, mais laisser un million au quartier. Ah, c'est peut-être pas de ta faute, hein, mais. Après, t'as pas été mis au courant. Non, j'ai pas été mis au courant, sinon j'aurais bougé les trucs, frère. Si Slim, il m'avait dit, mec, je m'apprête à pull-up un sergent et lui faire un truc, j'aurais dit, ok, mec, vas-y, si merde m'avoir prévenu, j'aurais tout bougé. À chaque fois que c'était la guerre avec quelqu'un, Makila, il m'a prévenu, Tu vois, on bosse ensemble, frère. Tu vois, même si je suis pas en Hoover, il me doit pas des comptes. Il sait très bien que j'ai du matos ici. Et ton million, tu peux pas le récupérer d'une manière ou d'une autre. Bah, je vais essayer, mec, mais là. Ça me paraît compliqué, une fois que c'est dans les mains des flics, tu peux pas y faire grand chose. Hein. Ah, mais tu sais que les flics ils ont des familles. Ils tiennent plus à leur famille que leur job. Hein. Ouais, mais bon, je vais essayer, mec. On est vers Skittles. C'est un peu chaud. Je voulais juste m'assurer que t'allais pas devenir un fils de pute à cause de l'argent. Mais frère, tu crois quoi? Je suis déjà en train d'essayer de renta. Frère, je suis pas un bâtard. Hein. Juste Slim, frère. C'est jamais, Renaud, t'as des paroles quand t'es énervé, je me pose des questions, cousin.
Bah ouais, mais frère, il comprend pas. Il comprend pas, il me dit ouais, bah, va te refaire au lieu de chouiner et tout. Je lui dis bah vas-y, je vais aller me refaire ailleurs alors, mec, tu vas voir. Yo, frère, t'es sérieux? J'ai pas de chose qui t'aide. La vie de ma mère, moi, on me l'aurait donné, je l'aurais pas fait sur toi. Ferme-la, ferme-la, tu dis respect, toi. En plus, tu fais du cirque dans tout le monde. Toi aussi, toi, tu me dis respect pas en me faisant perdre 2 millions et en avouant même pas que t'as merdé. C'est moi, je t'ai fait perdre 2 millions? C'est moi, oui, je t'ai fait perdre 2 millions? Oui. Okay, et comment? Vas-y, je t'écoute. Ok, j'ai des torts, j'aurais peut-être pas dû laisser le ici. Vas-y, je t'écoute. Tu m'as fait perdre 2 millions parce que t'as fait ta vengeance personnelle et t'as mis tout le monde dans la merde. Non, écoute-moi, toi, t'as pas conscience, toi, t'es dans ton petit monde à toi. Écoute, ce cops, et pas que lui, d'autres, ça fait plusieurs semaines maintenant, et t'as vu, je prends tous les G qui sont ici à témoin, qu'ils abusent, contrôlent, abusés sur les chops. Fouille, abusés. T'as vu, y'a pas de code rouge, y'a pas de code je sais pas quoi, mais ça abuse, ça prend la confiance à Inglewood. C'est pas plus mon sein, les bavures. Plus les bavures qu'il y a eu. Il y en a eu sur moi. Il y en a eu sur moi, mais y a pas que moi. Tu vois ce que je veux dire mais ou pas? Man, j'étais le premier à subir donc, tout ça. Donc, au bout aussi. D'un moment, fallait lui faire passer un message. T'as vu? Et c'est Dash, Makila et moi qui avons pris cette décision-là. Ok, et pourquoi tu m'appelles pas et tu me dis yo, Skittles, je sais que là, on va faire un truc contre les flics. Fais gaffe. Mais tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et moi, je le savais pas, frère. Moi, je fais autre chose de mes soirées que de rester au quartier. Mais écoute, est-ce que nous, on reste au quartier, nous? Vous restez pas au quartier, mais vous êtes entre vous. Vous avez un groupe, vous écrivez un message, tout le monde a l'info. Non, je te parle pas d'un groupe. Je te parle des annonces publiques faites par le SASP, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, code noir déclaré. Code noir déclaré. Hier soir, t'aurais pu. T'avais le temps de faire ce que t'avais à faire. Non, j'avais pas le temps. Si. T'avais le temps. Mais c'est juste que t'avais plus de priorités. T'avais des priorités plus importantes. Ma priorité, c'était de venir fournir les canettes et les briques jetables à tous les mecs qui allaient à ton émeute. Ça, c'est vrai. Tout ça pour ça, que moi, je sois tout seul à acheter des briques contre le Comico. Et que. Regarde, mets-toi à ma place 2 secondes, frère. Parce que yo, je comprends, je t'ai disrespecté, tout ça se fait pas. Mais frère, mets-toi à ma place. Moi, je vais partir d'un principe simple. Je suis pas là, vous faites votre truc. T'as vu, moi, je t'ai dit, toi, je te considère d'une façon différente des autres, tu vois. C'est-à-dire que si demain t'as un problème avec moi, tu fais partie des personnes qui peuvent venir et me dire les choses crûment, t'as vu. Mais t'as vu, si demain il y a un problème et que tu veux nettoyer le linge sale, on le nettoie en famille, t'as vu, en privé. Tu captes ou pas? Mais frère, toi, moi je t'ai parlé t'as de fait toi du cirque devant les gens. J'ai non, pas non, fait t'as fait du cirque. La tête tu cries, écoute, tout le monde est venu me voir. Tout le monde est venu me voir pour me dire, j'ai tout entendu, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et eh ben frère, c'était pas mon intention et c'est de toute façon mec, c'est même pas ça le fond du problème. Yo toi tu perds 2 millions et à cause de moi t'aurais pas le seum. Là actuellement, t'as vu non, ce qui s'est passé c'est un mouvement Inglewood directement. Bah, et tous les autres 7 qui ne sont pas liés à cet acte là se sont joints à nous. Il y a tout aucun toi, set qui a dit, même les Wu hein, pour te dire, à aucun moment ils ont dit oui, ça nous regarde pas, je sais pas quoi. Ils sont rentrés parce que c'est l'intérêt d'Inglewood et ils l'ont capté. Frère, ils font juste du conscience. C'est des menteurs. Tu prennes conscience, ça veut dire que là. Gros, ouais, regarde, je sais pas ce qui t'arrive en ce moment. Ouais, vas-y, je t'écoute. Mets-toi à ma vas-y, place. Vas-y. Regarde, samedi, ouais. Je suis pas là. Tu fais ton truc, tu fais ton machin. C'est vu avec les grands. Tout le monde est au courant. Mets-toi à ma place. Imagine, t'es un petit peu. Tu fais ton oseille au quartier. T'as toutes tes économies sous ton matelas. Je sais pas, t'as ne serait-ce que 100 000. Frère, tu fais ton truc. Ok, moi je suis pas au courant. Dimanche, j'arrive, tu m'appelles, tu marcelles, machin. Je suis au magasin de vêtements. Dis-toi, j'ai même pas eu le temps de finir ma tenue. Je sors, je prends plein de canettes jetables chez moi, je prends les briques. Je viens au quartier, je dis ouais, les gars, prenez. Tout le monde a pris. J'ai dit vas-y, je suis monté en voiture avec vous. Je suis allé au Comico, j'ai jeté des canettes. J'arrive, je suis en première ligne, frère. Première ligne, masqué, tout ça. Je lance des canettes. Je dis ouais, nique les flics. Je vois des giros arriver. Je me retourne, plus un seul mec. Mais je te jure. Le seul Renoir c'était qui? C'était Tata Willow. Je suis tout seul, je me fais péter par les flics. Je reste 2 heures en cellule. Ensuite je sors, j'ai un rendez-vous grave urgent avec je sais plus qui, Osvaldo ou des mecs vraiment chauds. Je vais les voir, je fais mon rendez-vous, ensuite je vais me chez coup, je regarde par ma fenêtre. Je vois une descente, voilà man. T'as vu, je vois une descente dans ma cave. Sans aucune raison, y a même pas mon nom sur la cave. Y a rien, y a aucune raison. Donc derrière, moi tu crois, moi je suis pas énervé frère, je viens de perdre 2 millions. C'est normal que tu sois énervé. À aucun moment, moi, je t'ai dit de pas être énervé. T'as voilà, vu? Mais frère, par contre, normal, t'as vu, ne cherche pas de fautif et ne cherche pas de prix. Pas ce qui a été fautif, fait, flics, c'est une c'est prise fautifs, de décision fautif, qu'on a eu. Non. T'as vu, nous, les gens, tout le monde a été prévenu, tous les gens, et ça fait depuis avant-hier. Ben, même pour bizarre. Donner un avis, même pour donner un exemple simple. Tu sais, les petits Jackson, même eux, ils ont déplacé le peu de verre qu'ils avaient, qu'il leur restait des trucs comme ça. Les petites frappes qu'ils habitent dans le quartier, les petits trucs et tout, ils sont partis déplacer leurs affaires. Tu vois? Montez ce qui habite dans le quartier, qui a un pied d'intérêt ici, elle a déplacé des trucs qu'elle avait chez elle. Et je suis pas allé la voir en personne pour lui dire. Hein. C'est des annonces qu'on a fait, c'est des bruits de couloir qu'ils ont tourné à Inglewood. C'est des annonces officielles faites par le SASP qu'ils ont prévenu avant. T'as vu? Et si t'étais pas là avant-hier, c'est pas mon problème à moi. Comment je peux te prévenir? Comment je peux le savoir? Tu vois? On a 12 000 choses à gérer entre temps.
Tu captes ? Pour ce qui est de hier, je suis à l'accord, y a pas de galère. T'as vu, il y avait le truc des canettes, etc. Puis après, il y a eu le truc devant le poste de police. T'étais en première ligne, ça, il y a personne qui peut dire le contraire. Par rapport à hier, il y a pas de souci. Moi, je me donne pour le quartier, je fais tout, frère, je suis prêt à tout. Mais t'es pas et le derrière, seul, mais c'est normal. Toi, mais t'as pas besoin de mettre ça sur. C'est même pas que ça, frère. C'est que Makila et Dash, quand je suis allé les voir tout à l'heure et que j'étais blasé, je leur ai dit, frère. Ouais, vas-y, j'ai perdu tout ça. Ils m'ont dit, frère, t'inquiète, on a ton bac. Maintenant, ils ont pas été gentils en mode, ouais, t'inquiète, on va te rembourser ou je sais pas quoi. Ils m'ont dit, vas-y, t'inquiète, on va essayer de trouver des solutions. Tu vas te refaire, t'en es capable, t'as les contacts, tout ce qu'il faut. Bien sûr, tu vas te refaire. Et ben, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Je te vois, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, ouais, vas-y, arrête de chiner. Est-ce que toi et moi, on a parlé? Est-ce que. Non, non, parce que toi, tu viens et tu parles d'ennemis directement, vrai ou pas? Je te parle pas d'ennemis, frère. Si, si, si. C'est une expression, tu sais très bien. La première chose que tu as dit, c'est ça. Donc, je suis venu, je t'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vas te refaire? C'est quoi le problème, moi? J'ai vu Makila et Dash. Est-ce que. Vas-y, j'ai une question à te poser, Skitters. Est-ce que si j'avais cette information-là, que toi, tu t'es fait. Parce que tu veux savoir, c'est qui m'a apporté cette information-là que tu t'es fait taper hier? Et pour moi, c'était même pas encore confirmé, c'était même pas vrai encore. C'est les cops. Non, c'est les cops. C'est les cops qui me l'ont dit hier quand j'ai parlé avec. Ils savent même pas que c'est moi, wesh. Bah écoute. Y'a même pas de nom, y'a même pas de nom sur la propriété. What the fuck, man? J'en ai marre. Bah hier, j'ai parlé avec 07, avec 42, avec 113, et y avait un autre, un rookie avec eux. Et c'est là que j'ai compris. Y'a aucun nom, frère. Ils ont même pas mis de nom, ils ont même pas de mandat. Et bah c'est hier, que j'ai compris. Et j'avais pas eu la confirmation parce que c'est des cops, t'as vu? Mais, et des bruits de couleur qui ont dit qu'apparemment il y avait une grosse planque qui s'était fait taper à Inglewood. Moi j'ai pas eu de confirmation, j'ai pas eu de discussion avec toi entre temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le plan par rapport aux pompes était déjà ficelé depuis hier avec Makila et Dash. Renoir, mets-toi. T'as vu? Et si moi j'ai une question à te poser. Est-ce que si j'avais su qu'il y avait ça et que t'étais venu me parler de ça, est-ce que tu penses pas que j'aurais pris en compte en considération ça dans mon, ben dans mon moi, petit plan? Moi je suis allé voir Makila et Dash, t'étais pas encore là tout à l'heure. Je leur ai dit, frère, j'étais là, mais justement j'étais en train de gérer ce bail avec le pompe. Je lui ai dit, on va trouver une solution. On va peut-être, je sais pas, on prend le pompe, on essaie de l'échanger contre plein d'oseilles ou je sais pas. Là frère, le problème c'est trop tard. Mais est-ce que c'est ma faute? Tu te mets pas à ma place depuis petit peu. Je suis dans ce quartier et je le jure, je suis à Liberty depuis que j'ai un an et demi, man. Depuis petit peu, depuis que je sais marcher, je suis avec vous. Frère, il y a même Dash, il changeait mes couches quand j'étais petit, Renoir. Maintenant, depuis petit peu, à Liberty, j'ai fait 1,5 million. Juste parce que les SMM, ils étaient en guerre avec vous, je sais pas quoi. J'ai pris un dommage collatéral, j'ai failli crever, frère. J'ai fait 4 ans et demi de coma. J'ai perdu 1,5 million, j'ai tout perdu. J'ai perdu Rondo, j'ai perdu Draco, j'ai perdu Issa. Je sais pas où ils sont. Je suis une bitch. Et encore après ça, on me dit non, t'es pas ouvert, t'es qu'un incapable. Je reviens ici, je fais 2 millions de dollars en 3 mois. Et vous me dites encore, t'es un incapable. Qui t'a dit que t'étais un incapable? Tout le monde me le dit. Ok, j'ai une question à te poser. Si est-ce que moi, si je porte pas est-ce que moi, une fois, ouvert, c'est que je suis un incapable. Est-ce que moi, une fois, tu m'as vu ne pas te considérer, Skittles? Réponds honnêtement. Peut-être toi, non, peut-être pas. Ok, merci. Donc tu viens et tu me dis respect. Mais c'est un avis global. Est-ce que moi, je t'ai manqué de respect? Est-ce que moi, je t'ai manqué de respect? Est-ce que moi, une fois, je t'ai considéré comme ce que je n'étais pas? Moi, je sais pas ce qu'il se dit dans le privé, frère. Ok. Et ben justement, ce que je dis pas dans le privé, je le dis aussi. T'as vu, je suis pas un hypocrite, moi. Si j'ai un truc à dire, je vais te le dire cash. T'as vu? Et si toi, je te mets sur des plans, si toi, je t'ai mis sur les trucs, etc., c'est que justement, t'es considéré. C'est Big Roy, si t'as mis sur des choses aussi, c'est qu'il y a un truc derrière. Tu vois? Je me fous pas de ta gueule, moi. T'as vu? Je t'ai emmené avec moi sur des trucs qu'on aurait pu canner. C'est que je te fais un minimum confiance. Vrai ou pas? Mec, depuis petit peu. Je fais partie des mecs qui te connaissent depuis. C'est vrai, mais depuis petit peu, ici. Frère. J'ai même pas le droit de porter une chaîne. Celle d'un de mes grands frères, Issa. J'ai même pas le droit de la porter. Je viens de perdre 2 millions et j'ai perdu 1,5 million. Là, dis-toi que j'ai fait 3,5 millions dans le vent depuis c'est normal, la chaîne d'Issa, elle t'a pas été donnée comme si elle t'avait été léguée. Elle t'a été donnée pour que tu la gardes jusqu'à ce qu'ils reviennent. Peut-être, mais je la porte fièrement. Regarde là, c'est la même chaîne que celle de Rondo. Rondo, je me souviens, il avait toujours cette chaîne. Je l'ai acheté juste pour ça. Je l'ai acheté juste pour. C'est bien, c'est bien. Juste pour montrer. Maintenant, mec, depuis petit peu, on me considère pas. On me prend pour une pute, on me dit t'es pas ouvert et tout. Aujourd'hui, frère, là, j'étais à deux doigts d'acheter une villa à 1 million, d'aller vivre dans les hauteurs de Vinewood et tous vous inviter à faire des soirées, qu'on soit bien, qu'on soit tous ensemble et que je fasse croquer tout le monde. Maintenant, frère, là j'ai perdu grave de l'oseille, en partie à cause de moi, en partie à cause des flics et en partie à cause de vous. Donc comprends, frère, que déjà je sois énervé et que en plus, vu que c'est toi qui es à l'origine de ça, je t'en veuille un minimum, frère. C'est logique. Et toi, moi, je te ta dis. Réaction, t'as même pas essayé de comprendre. Tu t'es dit non, mais bien sûr, de non, cheminer, non, non, va faire à partir oseille, du moment, non, t'as vu le plus compréhensible de 7, et encore une fois, je prends les deux mecs qui sont derrière moi, tu vois, en témoin, le mec le plus compréhensible de 7, c'est moi. T'as vu? Et mais venir comme tu l'as fait, t'as vu, et faire du cirque devant tout le monde, et bah ouais, tu vas pas me donner envie de venir vers toi et de te comprendre, tu vas me donner juste envie de te rentrer dedans. Bah de toute façon, frère, moi je te l'ai dit, je vais faire mon oseille, hein. Je vais faire mon oseille, maintenant j'ai les cartes en main, je vais faire mon oseille tout seul, hein. J'ai pas besoin que vous preniez mon bac, hein. Et ça veut pas dire que, je vais bouger d'ici ou quoi, hein. Moi je donnerai toujours mon oseille ici, mais moi je veux juste prouver que je suis capable de faire l'oseille sans vous, parce qu'encore et une c'est fois, pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu fais depuis le début. Est-ce que c'est pas ce que tu fais depuis le début? C'est toi qui as ce mot-là à la bouche constamment, Makila. J'ai l'impression que t'es jaloux de lui.
Je suis pas jaloux, frère. Eh ben justement, est-ce que t'es pas allé chercher tes trucs par toi-même? Ouais, peut-être que nous on t'a branché avec des contacts, on t'a mis en relation avec des gens, etc. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Mais le taf, tu le fais toi-même, non? Bah ouais. Mais ah j'ai voilà. L'impression que vous. Donc pourquoi vous t'as pas besoin. Et quoi, t'as besoin qu'on vienne te dire oui, Skittle, c'est bien, t'as fait du bon travail. Tu non, sais ce que tu fais dans la rue, de tu sais ce que tu veux. De me parler comme un petit. Et quoi, on te considère pas On te considère pas On te considère. Ah là, à venir te parler face to face, je te considère pas là. Ben peut-être, hein, mais c'est juste parce n'importe que je quel petit, que si je n'importe dit, quel que petit. Non, non, non. T'as vu, demain, t'as vu, j'ai un CV ou un Franklin qui fait ce que t'as fait. Il est smoke dans l'instant suivant. Il se fait smoke par les, par Bison, etc. Dans l'instant, direct après. Toi, pourquoi c'est pas arrivé à ton avis? Pourquoi je viens de parler? Ben peut-être pourquoi parce que je suis, parce que je fais gagner de l'argent et je suis utile à votre business. Ok, d'accord. Je vais te poser une question simple, puisque tu vois, t'es pas là pour le coup. T'as peut-être vu? Peut-être parce que vous avez peur de Draco. C'est justement vis-à-vis de Draco qu'on te considère comme ça. Tu vois, parce qu'il y a du respect vis-à-vis de sa personne à lui, et justement du respect vis-à-vis de toi. C'est pourquoi? Parce que dans la rue, t'as fait tes preuves. Tu fais tes preuves, et tu vas chercher les choses par toi-même. Et tu pourras jamais reprocher ça à n'importe lequel d'entre nous. T'as vu? Par contre, je te le dis direct, hein. Si t'as besoin de quelqu'un pour venir te réconforter, te dire oui, c'est bien ce qui t'a fait du bon boulot, il y a Adé. Il y a Adé en haut, Adé il t'attend, il va te réconforter si tu veux. Non, va pas. Non, va. Voilà. Et reste focus. Et bah, reste focus dans tes objectifs et dans ce que tu veux faire. Et n'attends pas à ce que. N'attends pas ce que les G viennent te dire, oui, Skittles, et te caresse dans le sens du poil. Non, tu c'est fais juste ton... votre manière de faire certaines tu choses, parfois, ça, vous me considérez comme un petit. Eh bah écoute, s'il y en a qui ont un manque de tact, c'est comme ça. T'as vu, ils ont grandi, ils ont été éduqués comme ça, t'as vu. Et comme je te dis, celui qui a le plus de tact dans ce set, c'est moi, t'as vu. Et avec toi, ça a toujours été le cas, tu pourras jamais le nier. Et si jamais tu t'étais venu m'approcher avec des sans être énervé comme tu l'étais, je t'aurais parlé calmement, tu sais très bien que je suis d'un tempérament calme. Mais ce que t'as fait là, c'est un immense disrespect. Encore plus nettoyer, t'as vu, tu veux nettoyer ton linge, tu le nettoies devant ta porte et en famille. Tu le nettoies ben, pas devant désolé, des gens. Désolé, man, d'avoir été impulsif, mais comprends-moi, frère, je viens de perdre. Moi, je millions, comprends, ma vie, c'est un je échec, comprends, frère. Je comprends. Ma je vie, comprends. C'est un échec. À t'as chaque vu? Fois, je suis à deux doigts de décoller la fusée. Écoute, et quand je fais dès quoi, qu'elle moi décolle à 3 mètres, et voilà, et là, est-ce que tu penses que ce que tu as fait là, ça va t'aider à justement faire décoller une nouvelle fusée non, frère, et te refaire? J'ai juste besoin d'extérioriser ma colère, frère, c'est tout. Et ouais, bah tu veux l'extérioriser, va taper dans un sac de frappe. T'as vu, tu veux que je t'apprenne à mettre des ubercutes? Je vais taper capé là. Ouais bah voilà, va taper Capella, c'est un bif avec lui, t'as vu? Mais tu viens, tu dis respect ici, tu manques de... T'as vu? Là, de base, tu sais, j'étais censé faire quoi, là? Séquestrer dans la cave, jusqu'à demain. Voilà, je vais pas le faire, t'as vu? Demain, tu vas te présenter comme un bonhomme, tu vas pas me faire ce que t'as fait tout à l'heure quand t'es parti, t'as dit je sais pas quoi. C'est très demain, bien, tu vas un bonhomme, frère, et on va peur, parler, on va bien. Parler, on va parler fact, t'as vu? Avec Makila et Dash, on va régler ce problème-là, t'as vu? Parce que ça reste un disrespect ce que t'as fait, t'as vu? Tu veux te refaire, t'as vu? Tu sais très bien que t'as les plaves pour te refaire. Tu sais très bien que t'as le cerveau pour te refaire. T'as vu? Une fois tu l'as fait, tu peux le refaire une deuxième fois. Et tu sais très bien que nous, on a ton bac. Et quand on dit on a ton bac, c'est pas te mettre derrière ou te considérer comme un gamin. Tu sais cette phrase-là que Makila il a pas de te dire. Bah, c'est pas si demain il y a une galère, donnez, c'est des intérêts communs. C'est des intérêts communs. C'était un collaborateur pour nous. Tu vois? T'es pas un petit merdeux, t'as vu? Ah, regarde, je te donne ben un exemple. Merci, mon gars, Rollins, Grape. C'est des mecs à qui on vend de la cam. C'est des mecs qu'on missionne sur des plans. Tu vois, toi c'est différent, on te considère comme un collaborateur. Vrai ou pas, ose me dire que c'est pas vrai. Ose me dire qu'on t'accorde pas le respect qui t'est dû. C'est vrai parfois, mais pas tout le temps. Quand Mosky, derrière moi, te dit quoi? Te dit, entre guillemets, il te fait comprendre, c'est à contre-cœur qu'il le fait. J'ai pas le choix, quand il te dit ça là, je suis descendu, j'ai entendu. Est-ce que tu crois qu'il dirait ça pour un Grape, ou un Jackson, ou n'importe qui d'autre? Pour un Ops? Jamais de la vie. Ferme ta gueule, coup de crosse dans ta grand-mère. Vrai ou pas, Mosky? C'est nerveux. S'il le dit, c'est pourquoi, à ton avis? C'est qu'il te considère. Et c'est que t'es pas n'importe qui parce que t'as un blast dans cette street. Juste de la pitié, juste il a juste de la pitié. C'est que t'as rien à voir ce qui était dans la pitié. T'as rien compris. Personne. T'as rien compris. Ça s'appelle du respect. Ça s'appelle du respect. C'est que parce que c'est toi, man. Exactement. T'as vu? Et ça s'appelle les liens. Même si on n'est pas tous du même sang, t'as vu, on est tous reliés par quelque chose, boy. Et tu le sais très bien. T'as vu? Donc si demain il y a des galères et qu'il faut qu'on nettoie le linge sale, on le nettoiera. T'as vu? On se rentrera dedans et on se fera des câlins en sortant. Mais t'as vu ce que t'as fait là? Plus jamais, je te le dis. Hein. De toute façon, demain on va parler. Demain on va parler, on va régler ça avec Dash et Makila. On va voir, tu as vu? Que ce soit pour ton histoire de 2 millions et pour ton histoire de disrespect. Parce que t'as vu, dans les bons comme dans les mauvais moments, on est là. Et c'est ça la famille. Tu captes? Ouais, tranquille. Et t'as vu, en te disant ça, c'est un double discours ce que je te dis là. Hein. Parce que ne crois pas que je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Quoi? C'est juste que je prends sûrement. T'en fais pas, on aura l'occasion d'avoir des discussions, toi et moi. Bah, c'est quoi, frère? Et ça aussi, si t'es pas encore mort, c'est qu'il y a une raison. Il s'est passé quoi, frère? T'inquiète pas, on se comprend, toi et moi. Non. Pas besoin de, pas besoin de parler devant les autres. Bah, me comprends pas. Le plus important, c'est que tu sais qu'au fond de toi, toi et moi, on sait de quoi je parle. Ça veut dire, va te dormir, va te reposer, va te calmer, va frapper dans un sac de frappe, t'as vu?
Et quand tu te seras calmé, demain on discutera. Mais ça plus jamais, je te le dis une fois, pas deux. Vas-y, c'est bon. Yo, c'est bon, désolé. Vas-y. T'as vu, vous deux, vous êtes les deux pires ennemis de ce set, vous. c'est bon, arrachez vos tentes. Merci Roy Reed, merci pour ton prime. Merci pour ton prime, frérot. Elle n'y voit rien de personnel, Skittles. Hein. Arrête de chouiner, je sais pas quoi. Frère. Attends, moi j'irai ça de toute façon, ouais, c'est bon. Bien sûr. Ouais, ouais, vas-y, sais. C'est carré. Vas-y, big up. Ouais, les gars, j'ai déjà fait 500k. j'ai déjà 500k, c'était écrit. Alors, je pense qu'il y a un des fameux labels qui pourra pas, malheureusement, étant donné qu'il est décédé. Mais le reste, normalement, oui. Mais en gros, bon, c'est plus compliqué que ça, vous allez comprendre. En fait, il y a 300k qui appartiennent au Outcast et qui veulent qu'on les blanchisse. Temps pour pouvoir m'inscrire. Mais bon, en gros, dans l'idée, ils m'ont dit maintenant, okay. Je peux les utiliser, moi, juste ils veulent 300k en 250k. Ok, bah, je vous envoie tout par message de suite alors. Attends, il m'a envoyé super, un. Super, je vous remercie. Allez, merci beaucoup. Grosse quiche, ça, je vais juste faire un truc parce qu'elle, elle va vite dormir du coup. Ouais, elle, faut qu'on la voit là, en plus urgent. Hein. Ouais, mais là, ce soir, elle est pas là. En fait, le problème, c'est qu'elle, elle va se coucher grave tôt du coup. Mais là, on peut pas la voir là. Bah, en fait, on a pris un rendez-vous avec elle, elle s'est jamais réveillée, la conne. Bah. Alors, attends. Frérot, toi, t'es pas au courant. Il s'est passé vraiment une dinguerie monumentale quand t'étais pas là. Tu me laisses envoyer ça et tu me racontes en vif, ça prend vraiment deux secondes. Attends, mais pendant ça, je fais une annonce avec de mon entreprise. Dans ma tête, c'est le fouillis. Alors, attendez, Yafa. C'est quoi le truc du portefeuille Twitch? C'est en haut là. Alors, c'est pas des couilles sur ta gueule. Maintenant, regarde, je vais regarder. Bon, Blazix, t'as beaucoup parlé. Maintenant, je vais te montrer mon niveau en build fight. Parce que toi et moi, on va s'affronter. Qu'est-ce qu'il veut, Yafa? Hop. Oh, le niveau. Attends, con, il sait même pas faire des 90. Mais il est fou ce mec. Ok, du coup, le logo de Skittles auto là, c'est quoi? Je le ferai seul et tout. Je me fais ou deux. Attendez, je vous montre plusieurs logos, vous me dites ce que vous préférez. Je regarderai encore. À travers, il y a tort. Stress énervant, fait peur de chevelure. Le bagarre, j'en ai. Par ses lèvres. Elle était moche. Ok, vous préférez quoi comme logo? Logo 1? Ça c'est 1, mettez 1, 2 ou 3 dans le chat. Hein. Logo 1, logo 2, et logo B. Logo 3. Moi perso, le 3 dans mon livre, c'est le mieux. Parce que là, je sais pas pourquoi il y a 2 L. Attendez, venez, on fait un sondage. Comment on fait des sondages sur Twitch? Quel logo? 1, 2 ou 3. Hop. Hop, commencez un sondage. Vas-y, votez. Ok, c'est bon. Je t'envoie un truc, dis-moi lequel tu préfères. Vas-y. Okay. Pourquoi tu rigoles? C'est drôle, je m'attendais pas à c'est ça. C'est grave drôle. Ouais. La troisième, elle est incroyable. Non, mais tu sais que j'en ai c'est trop, une IA qui l'a fait la troisième. Ouais, ouais, mais tout c'est des IA. Putain, tu l'as payé l'IA pour qu'elle fasse ça? Non, frère, même pas. T'es matin, je t'en envoie un. Bon, c'est pas un bon logo, mais genre, c'est incroyable. Vas-y, pourquoi il marcelle? Allo? Allo, allo? Oh, elle est drôle! Ouais, ça faudrait bon, l'afficher en panneau publicitaire. Ouais, est-ce que c'est tu es disponible? C'est qui à la c'est Omar. Omar. Omar? Oui, un ami proche à toi. Hier là, ah ouais, au camp de Hippie? Oui, oui, oui. Ok, oui, ok, voilà. Je vois. Ouais, je suis dispo là. Parfait, je vais t'envoyer une position, ton dû sera dans une poubelle. Parfait. Ben yo, envoie-moi la pause et j'arrive. Parfait, à toutes. À toutes. D'ailleurs, je voulais te dire, tu te rappelles qu'on voulait faire des faux sons? Oui. Avec le JWS Records. Là, tu peux faire un. Eh ben, j'ai mieux.
Non, même pas, j'ai mieux. J'ai Matador là qui m'appelle. Qui me dit oui, alors pour le 13 record, je vais le reprendre. Je lui dis non, Coco, je crois que t'as pas compris. Le 13 record, c'est fini. Donc c'est soit tu repayes un label 100 000 dollars, soit je connais un nouveau label en ville qui a besoin d'un gérant. C'est 3 qui juste lui gère les comptes et toi tu t'occupes du reste, tu recrutes les artistes. T'as capté. On peut se faire du dos sur ce fils de pute de Matador. Ouais, et blanchir de l'argent sur son dos. Et lui, il gère tout le label, on a rien à faire. Frère, avant toute chose, faut que je te parle d'un truc. Oui. Il y a eu Code Noir à Inglewood. Ouais, j'ai entendu. Et avant-hier, je vais me coucher tout ça, tranquille. J'ai entendu du bruit dans ma rue. Je me dis, vas-y, casse les couilles de Jackson, on va faire une soirée. Je sors ma tête de la fenêtre, je vois mais genre 30 flics. Je dis, what the fuck. Hop, je regarde et tout, je vois, c'est pas ils sont en train de mettre des coups de bélier dans ma cave. Hein? La vie de ma mère, ils ont mis coups de bélier dans ma cave, j'ai perdu 2 millions de dollars, frère. Quoi? Je suis à sec, mec. Non, 2 millions? 2 millions. Il y avait, en vrai, en liquide, il y avait 1 million 2. Mais tout le matos, il y avait de l'or, il y avait des armes, il y avait... Enfin, les armes, il y avait que un Glock. Il y avait... Bah, pour beaucoup de dollars de briques... Bref, il y avait full truc quoi. Non, tu déconnes. Tu fais une blague. Non, c'est pas une blague, Renaud, hein, je suis à sec. Après, je te mens pas. Hier, j'étais à 0$, je suis déjà à 500k là. Mais quoi? Comment t'as fait 500k? Bah, les Outcasts, en gros, hier, je leur ai parlé de Skitokaz là qui allait ouvrir. Il m'a dit qu'il était chaud d'investir dedans. Et au final, à la fin de la conversation, on a réfléchi. Et en gros, ils vont me donner 300k en liquide. Et lui, il veut récupérer 250 en banque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que les 300k qu'il va me donner, toi, tu vas prendre 300k, moi, je vais prendre 300k. On va faire le convoi. On va faire en sorte que le convoi se fasse taper. On va déjà récupérer de la liquidité. Et on va blanchir ces 600k sur le compte du Rockford. Et avec mon label, on va faire le truc. Ok. Bah, j'allais te donner mes 300 000, mais du coup, t'en as pas besoin. Ben là je vais recevoir une adresse là, j'ai vendu tous mes tableaux parce que j'en avais un paquet là, déjà je récupère 150 000 en liquide. Ok. Et là je vais recevoir une commande, deux d'armes et une deuxième. Rassure-moi, t'as mis un entrepôt qui n'a rien à voir à... Quoi? T'as payé un autre entrepôt, bien loin, bien... Pour le moment pas encore mais je vais le faire. Et... Mais dis pas que tu mets encore dans ta cave. Ce qui me fait chier, bah pour le moment si mais j'ai rien. Mais t'es con quoi Skittles. Mais chef là j'ai pas d'argent. T'as mis 500 000 dans ta cave? Non, là je les ai pas encore les 500 000. Les hautes cases, ils doivent me filer 300k et là les 150 000, je les ai mis au Rockford. Et laisse le Rockford le temps. Ouais, j'ai mis au Rockford là déjà le seul argent que j'avais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Là, je vais voir avec Makila pour faire des enchères parce que là je reçois une commande. En fait, ils ont déjà une commande de 5 pétards et là, certainement une deuxième commande de 5 pétards qui arrive ce soir. Donc en gros, j'aurai 10 pétards, donc là déjà on va pouvoir faire un bon bail. Mais là, frère, je vais pas te mentir, il faut qu'on se refasse. Tu peux pas en commander plus? Bah, j'aimerais bien, frère, mais. Faudrait que je vois avec les hautes cases sinon pour qu'ils me vendent. Hein. Comme ça, sa mère, essaye de gratter. Comme ça, au moins, moi je te paye le reste des guns. Et au moins, on fait une grosse vente aux enchères. On se remet bien direct, frère. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Arme blanche. Arme blanche, il faut que je me recale avec les Mayans. Et problème, je viens de finir les travaux de ma villa, frère. Okay. Le problème, c'est que bah j'ai pas l'oseille pour payer. Ah. Donc il va falloir qu'on... En plus, on a fait faire les travaux, mais elle n'est pas disponible à l'achat, donc il va falloir faire de la location. Hein. Mais du coup, c'est comme toi, là, tu sais, c'est par semaine, ou toi, je crois, tu payes un mois à l'avance direct à l'agence Simon. Ouais, et... ouais, bah l'avantage, c'est que si tu veux faire ça, dis que tu payes avec Skittles Ocas, et au moins, elle fera pareil. Ouais, mais il n'y a pas encore de sous dans le compte de Skittles Ocas. Et du coup, ce soir, là, déjà, j'ai fait du dépôt-vente à Skittles Ocas. Du coup, ce que je vais faire là, c'est qu'en gros, les gens. Mais tu sais ce que t'as à faire là, mon pote? Ah ouais, mais non, comment. Eh ouais, non, le problème, c'est que je peux pas en fait. Là, j'allais te dire pote, que là, t'aurais pu organiser un convoi de fond pour Skittles au cas et on le tape. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu fais un convoi de fond, quand tu mets du capital dans l'entreprise, ils vont te demander d'où provient cet argent. Il te faut un justificatif. Mais je vais leur dire qu'il provient des ventes en liquide que j'ai fait à l'entreprise. J'ai le droit de vendre en liquide les véhicules. Donc voilà. Ouais, mais faut bien que t'aies acheté des premiers véhicules avant. Ben non, là je les ai pas achetés. En gros, je fais du dépôt-vente. En gros, les gens ils m'ont donné les cartes grises et les clés. Le véhicule il est exposé. Mais là, c'est commencé là? Ouais, mais en gros, je t'explique. Là, le véhicule les véhicules ils sont exposés. Mais quand ils seront vendus, je touche l'argent, je redonne une partie au mec à qui appartient la voiture et moi je fais un bénéfice dessus.
T'as capté? Donc là c'est parti, l'entreprise elle va ouvrir ce soir. Et là ce soir du coup je fais un showcase à minuit là-bas. Ok, tu me passes les clés de l'entreprise? Bah y'a pas de clé pour le moment mais si tu veux hein. Ah si. Ouais mais enfin t'as capté, tu me... Voilà. Comme ça je peux tiens gérer ça. Ouais bah déjà en vrai y'a Imura aussi, il veut bosser en vrai, je me dis ça peut être pas mal Imura hein. Ouais mais moi t'as capté, mais moi en gérance hein. Ouais vas-y vas-y, je t'ai filé. Je te mets pas. Et Imura on le fera bosser. Y'a Imura, y'a plein de gens qui veulent bosser hein, t'en rends pas compte comment ça intéresse tout le monde. Mais tu sais pourquoi? Parce que concessionnaire c'est un truc qui paye énormément. Mais moi je te dis hein, c'est mieux si ça reste en famille. Après si tu veux embaucher un mec... On va essayer d'embaucher quelques mecs quand même pour que ça tourne bien bien. Et moi je m'occuperai de la partie surtout illégale hein. Je m'occuperai de... On va essayer de développer petit à petit d'autres activités mais genre moi, des fausses plaques, des véhicules d'occasion et tout. Et le patron du Pondscar aussi, il faut lui acheter des véhicules. La fourrière là. En gros, le système, c'est comment? C'est que moi, je peux racheter un véhicule de un particulier et je les mets en vitrine et après, je peux les revendre à un particulier. T'as capté? Je sais, ouais. Ça, tu l'achètes et tu le revends à un concess. Et voilà, et les trucs de... Et là, ce soir, on peut aller acheter un véhicule à la fourrière? Bah, il faut que je vois le mec. Attends. Pourquoi elle me dit que je suis à ton entreprise? Ouais, Skittles. Ouais, Renoise, dis-moi. Enfin, je suis à ton truc, là, pour faire ton bureau et tout. Ouais. Je suis en train de faire un petit bureau, mais en mode vif, on est d'accord, hein, pas un truc de ouf. Hein. Ouais, ouais, un truc chill, vraiment juste un petit comptoir avec une caisse et tout. Bah, moi, je t'ai carrément mis un bureau, genre en mode à l'ancienne, avec une chaise de pêche. Ouais. Un petit ordinateur et une caisse enregistreuse. Bah, vas-y, tu sais quoi, on va arriver. Vas-y, et tu me dis, au pire, je change, je m'en fous, mais c'est juste vraiment, je te fais ça en 5 minutes. Hein. Bah, vas-y, bah, on arrive, je vais te dire. Vas-y, à toutes. Tu préfères quel logo que je du vais coup dire le troisième. Ah ouais? T'aimes pas toi? Moi je préfère le premier. Attends. Ah, le premier est ultra propre aussi en vrai, mais le premier. Oui. Ouais, des gyros. Bizarre. De toute façon, on disait. Là, justement, pas Renault, il va falloir qu'on se refasse. Hein. Ben, je sais, c'est pour ça. Tu me donnes une carte de l'entreprise ou non? Ça, tu veux tout gérer toi? J'ai une carte, hein, si tu veux, je peux essayer d'en avoir une deuxième. Mais là, ouais, il va falloir se faire des tales avec ça. Et là, j'ai retrouvé un nouveau revendeur de tableaux. Donc là, il va falloir que je me remette là-dessus. Ouais. Et voilà. Et là, Renault, c'est un peu chaud hein, ce qui vient de se passer. Hein, justement, pas. Je suis tombé de haut, mon pote. Hein. C'est la merde, mais tu vas te refaire, mon pote, tu vas te refaire. Ouais, tranquille, mais bon. Ah, ça rend fou. Hein. Ouais. Alors attends, du coup, je vais envoyer une annonce, 2 secondes. Et t'as pris combien de véhicules en dépôt banque là? Là, j'en ai 4 ou 5 là. Et on va aller à l'entreprise là, de toute façon. Attends, je fais juste une annonce. Tu les as récupérés où? Sur le marketplace? Ouais, marketplace et un peu aux alentours du quartier. Ok. Bah vas-y, moi après si tu veux je m'occupe de contacter là tous les mecs du marketplace, voir si ça les intéresse. Et tu me diras à peu près combien de marches tu veux faire pour un véhicule. Et je te propose au début de commencer, laisse-moi gérer solo, ok, au début. Juste histoire que je m'y fasse, que je capte tout. Et après je mets autant de mecs que tu veux en employé. Hop, attends, est-ce que ça marche? Ah ouais, Théma. Oh, c'est incroyable. Oh, le logo il fait chauffer de ouf. Eh, laisse-le comme ça, il est incroyable. Ok, mais frère, là faut qu'on fasse du bruit ce soir, faut qu'on arrive à ramener tout le monde, essaye d'appeler du monde. Que tu fasses un bête de concert sauvage. Ouais, moi j'ai déjà ramené beaucoup de gens. J'ai déjà contacté beaucoup de gens sur Marketplace. Ah ouais, mais d'ailleurs. Même la Panto, putain, là par exemple, tu l'as contacté? Eh, d'ailleurs, non, la Panto, non. Ça date de ce soir. Mais par contre, putain, y'a un Huntley S là, le patron du Pondscar. Attends, je vais l'appeler parce que Huntley ça part en 10 secondes, ça, mon pote. Hein. Je vais l'appeler. Ah ouais, attends, j'ai un RDV. Va à l'entreprise là, y'a Turtle. Je vais juste chercher l'argent qu'on me doit là. J'arrive. Je vais pisser là. Ah, j'ai envie de pisser, wesh, d'un coup. Je peux pas m'en. Wesh, je vais me pisser dessus. Wesh, j'avais pas envie de pisser. D'un coup, j'ai envie de pisser de fou. De gagner avec 1000$ par participation. Ok, les man. Je peux présenter la voiture là si vous voulez. Participe deux fois. Vous pouvez participer jusqu'à 3 fois, vous aurez un numéro qui sera donné. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir directement AD et voilà. Vous pouvez gagner un véhicule d'une valeur de 30 000$ pour 1000 voire 3 000$.
Allez, c'est parti, les man. C'est pas une arnaque, faut oser. Ok, c'est mon dernier son. Celui-là, ce son-là, je l'ai fait pour ma tata que j'aime. Une file, s'il vous plaît. Ok, Franklin. MC. MC, peine de mort. Oh, oh, je m'appelle Franklin. Et j'ai trouvé l'amour de ma vie. Elle était super belle. Ok, mec. Elle avait un enfant. Et ensemble, on a baisé, 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 baisé de fou, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a kiffé et elle me demandait encore. Elle a demandé encore, Franklin. Je lui disais, c'est bon, j'en ai marre. En plus, ton fils, c'est mon pote. Alors arrête. Fais ton son solo pour le moment. Je veux pas faire de problème à Capella, parce que tu es sa maman. Mais t'inquiète pas, mon cœur reste à toi. Voilà, petite musique pour la mère à Capella. Capella, on a tous baisé ta mère sur Inglewood, et ça nous manque. Mais on le fait plus par respect pour toi. C'est bon. Yo, un max d'applaudissements pour Franklin, merci man, merci, merci pour cette première partie. Ouais. Début de carrière pour Franklin, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va commencer avec le vif du sujet, les man. Premier son de Silas, ça représente Grape, ça va être fort, ça va glisser dans vos oreilles, c'est parti, c'est parti. Y'a pas de sono, y'a pas de sono, mais c'est un peu mille télé. Si, mais sur le bus, sur le bus. Je suis pas sur mon frère. Oh, c'est quoi le son? Attends, sur moi. Envoie le son, je le mets. Tiens. Je prends pas le bail en fait. C'est bon. Une fois. Ça part. C'est long. Hein. Et dis à Greg de monter, hein. Tu peux leur dire de monter comme ça, il y a du mal. Let's go, my man! J'ai commencé le terre, j'étais pas sur ma terre. Les ennemis sont loin, je commence à douter ce que j'appelais mes frères. Et ces frères-là, ils étaient pas là quand j'étais à terre. Mais fuck tout ça, je crois bien qu'il y a que l'argent qu'on adhère. Je veux un mono espace gros. Faire un million de chiffres, toucher la Rolls Royce et la Lambo. Péter un survêt à Miri, taper dans un plat à Jimmy. Renoir, c'est l'objectif de vie. C'est l'objectif de vie. Un objectif de vie. Ça fait 10 années que je dois les traîner. 40 ans que je rêve d'un putain de Boeing. Et hop, ça balle que je dois supporter. Bétard en main me ramnésie. Chaque c'est pour moi est un objectif. Part en couille pendant l'objection. Pas de contrat, pas d'amertume. Je viens de fumer à ton émission. Parle-moi qu'en caché, gros. Jamais raté une cible, gros. Sinon, je mets le feat avec Pata, les gars. Le chaque truc montant, est pas mixé. Je vise plus haut. Je mets ça, les gars. Ouais, je mets le son que je vous ai fait haut. Écouter tout à l'heure. Le son que je vous ai fait écouter tout à l'heure, là, qui est pas mixé. Y'a vu LS. Ouais, faites gang, du bruit. Gang, ouais. Faites du bruit, les gars, là. Vous attendez quoi, là? Faites du bruit, là. Ça flingue, my man. C'est léger. Yo, du coup, on va enchaîner directement avec un de mes sons. C'est parti, les man. En featuring avec Mensa, un son bien violent, bien sombre. Ouais, Mensa il danse bien et Mensa en plus. Mensa il danse bien de ouf hein, maintenant. Mais quand j'ai dans l'ombre de ton cousin Rondo, tu pourras m'en vouloir. Yo yo yo, gang gang gang. Et ça va être violent les renois. À travers Gold qui t'aura remis. Alors écoute ce que je vais dire. Ton acte sera uniquement par colère, sera perçu comme une réponse à ma trahison ou au préjudice que je t'ai fait subir. Ça sera uniquement ta réaction émotionnelle. Elles sont teintées par la noirceur de ton désir. Je dépasse mon grand frère maintenant, je rappe dans les temps, je vais te fumer, il serait temps de leur 17 sur la tente. Qu'est-ce que tu disais, je me demande pourquoi tu nous tentes. Négro, tu sais que je suis le détenteur, je brise le fils de ces menteurs. Je kill bitch DJ et je toute la vie PDM pour les pointeurs. Je te mets BDM, tu forces un DM, je fais dernier BM, let's go. J'ai la flemme de fit avec toi, personne veut fit avec toi. Je fais gaffe avec qui je bête Renoir, personne t'aime à part le trottoir. C'est dommage car ce carnage, Renoir c'est pas ton âge. T'es mon big ops, t'étais le big buzz. J'ai repris ton son et fait monter le buzz. T'étais une salope qui a trahi le
7, t'as cassé les codes. T'es un négro sans valeur qu'a ramassé le god. Ta vie entre mes mains, la lumière je l'ai switch off. Open eyes, play le body, c'est pas un son de. Fais les 400 coups, j'peux dire que t'étais le big ref. Lâcher l'équipe qui tend la main, un move de big tush. Entends tes derniers mots, trop, trop peu audible. J'prends le relais, j'ai la fame et roule en Audi. As-tu pensé à ton cousin, il est fin possible. S'il prend ton chemin pour lui, la fin sera horrible. La fin sera horrible, la fin sera horrible. J'ribble avec tes couilles comme Boris, zéro tolérance, pas de lâcheté, respecte mon frère. Driss ou j'sors le fer sur ton pif, écoute le son, j'sais que tu kiffes et j'raquette même des centimes. Qui t'y suce avec les dents, cette bitch va chez le dentiste. Tu veux la sauce, te mets dedans, j'l'encule ton set d'autis. Et j'encule ton set d'autis, capella, laisse-moi choix, c'est bien ta capté. Qui sont les grands, j'crois que t'as peur de Makila. Tu veux son caleçon ou le Lebron? Tu veux son les blancs, les wood tape que les petits. Réel, Capella défend les blancs, mon blanc t'es son petit. J'éclashera pas les glands, tu me dois 50 000. Tu me saoules comme Wookie, t'es un sale type. T'as voulu me disrespect, mais ton père ennemi c'est Kenny ou LD. T'as 3 abonnés, t'as pas ta bonnie. Tu parles tellement, je me demande si tu taffes pas au bénis ou au LSPD. Bichon ma boniche, m'appelle pas homies. Hein, viens surtout pas à l'église. Y'a la moitié de ton quartier enterré derrière l'église. Je rentre dans le studio et j'échoue 3 fois. Une dans la tête, 2 dans le thorax, j'ai ôté ta foi. T'es pas le premier ni le dernier dead body que je vais citer. Les dimanches à l'église, y'a ce fameux livre que j'aimerais citer. Si c'était à faire, je le referais et je réitère. Je suis pas dans l'exécution, plutôt dans la mise à terre. Quand je pose ce son, le canon est dirigé vers sa tête. J'élimine ton cousin le bonbon, puis j'irai voir sa mère. Alors oui. Gang, dans la tête. C'est la violence, le les Renoirs. Non, faux frère, H83, ça pardonne pas. Welcome en enfer, bitches. Bow. Voilà, ah, ça fait du vrai. Bruit, les gars, faites du bruit là, faites du bruit. Ça parle vrai, les gars, faites du bruit. Gang, gang, gang. On va enchaîner les man avec AD, le patron de la maison de 10 du Rockford. Il a deux casquettes, ce mec. Il gère des entreprises, mais il fait aussi de la musique et c'est du sale, les Renoirs. On va écouter directement AD sur une petite mélo. Hey, je suis un bon Je t'ai fait une vidéo. C'est toi après l'hip, ok? À ce moment-là, t'es des samples à convaincre, j'en ai connu plusieurs. Dans le cul, je crois qu'ils ont les keufs, sont venus à. Est-ce que je suis un bon ambiance sur le sol? Donc on sort la preuve, y'a pas de trêve quand tu s'agit de foreux. On n'est pas les mêmes, c'est un intérêt, tellement profond qu'il faudrait être pour eux. On veut les tâches, je suis dans le quartier des tâches, dans le bloc des tailles, ouais. Ça va pas flop, hein, c'est bien. Parce que souvent les showcase ça flop. Tu balances, j'ai le mantra, je les crame avant même l'entraque. Je viens devant chez toi, Polo, merde, t'as pas peur chez moi, ça met en bas. Pas de gangrène, dans le gant, ça se propage vite, donc faut régler les problèmes. Et pour les salopes qui se chient dessus, pas de galère, j'ai prévu les panthères. Yo, le refrain qui arrive. On veut les tas de kishta, les man. Gang, gang. Let's go, let's go. Wow, 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 wow. AD, c'est carrément gang, man. Ça flingue. N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, si vous voulez gagner le grand jerk qui est en haut, vous pouvez participer à une loterie à 1000$, les man, en allant voir la personne avec la doudoune grise. Vous pouvez participer jusqu'à 3 fois. Exactement, rappeur multicasquette. Maintenant, on va écouter un artiste émergent de North Singlewood Records, Leap, qui est en train de tout casser en ce moment sur les plateformes. Je suis le petit frère. C'est le grand frère à Franklin. Je fais dédicace. Philippe, ouais. C'est bon, man.
T'arrives à mettre? C'est la puce comme mon pote. C'est carré, hein. Ouais, ouais, ça dit quoi tout le monde, mais ou quoi? C'est Big Lip quand même, ouais. Hey, très Hoover, Hoover criminel, gang gang. Hey. Let's go, Lip. C'est pour le ski d'auto, hein. Big up à mon gars, ski, c'est carré. Let's go. Hey. Je braque les deux, un bitch. Oh, y'a la Macarena. Quand j'arrive, ton sexus ma bite. Car quand je shoot, je rate pas ma cible. Dans le crime, je suis pas tout seul. Disrespecte à tes 10 ou 10. Les bouges, je vais vous prendre en chaîne. Capé là, tu vas me bouffer le chibre. J'appelle Bison Obico. Je suis qui prépare la bécane. Je m'occupe de check les autos. Si je tire au pichet, il gagne. La gadji, c'est un capella. J'ai envie de la guenna. Arrête de faire la Kendall. À la limite, t'es Kinda. Ouais, il est chaud, j'ai jamais entendu ce son. Non, moi après les gars, je pense à moi. Moi les gars, j'en ai son love, moi. Moi les gars, je suis dans l'amour de la musique, t'as vu, je suis dans la mélo. Je suis dans les petites mélodies sympathiques, t'as capté ou quoi? La mélodie, man, la mélo est gangs, man. Oh, je t'ambiance, toi tu n'es comme ça, t'as capté ou pas? Un peu de miel dans mes oreilles, man. Fuck la guerre. J'ai drop de maison sur les vatos, il a fait moins 4. Assez tard le soir dans la nuit, tu me vois pas, la mémoire est discrète. Le Renoir est souffert, t'inquiète on gère, je fais des enfers. La gadi c'est un capella, ça me fume de rire. J'ai pesé la merde dans son primo custom, elle en redemande. Elle m'appelle au phone, SO à ma benne. J'ai pas le temps pour tes formes dans le ghetto. Risa voulu camper. Comment je danse comme un ouf. J'ai pris Bison sur ma bike, on l'a tout de suite rafalé. On fait gros dégâts, alliage lui mange la charge. Et je suis dans le pâte, t'as un switch, je te bouffe les pattes. Je rigole les gars, moi j'aime que la drill, moi. Que de la drill puissante, hein, Bison. Bison montre-leur c'est comment les gars. Elle lâche automatique, vend la meilleure boîte, je m'envole vers terminal. Elle veut que je la mette dans le mol. Gros attends, t'as chez les vatos, j'ai rafalé, et ça aime des normales. La pute elle veut sur le bloc. C'est une latine, j'ai choué une star dans un quartier. Cette grosse tarte elle s'appelait Fatima. Mais elle m'en veut à la mort. Je pouvais rafale son mari. Elle a même pas divorcé du coup pétage maison de sa cousine. Rafale pour les stress, sans dire la paix s'est fait bouler. Les Woody j'ai un M-Bot alors qu'avec leur corps je fais des kills. Du bruit les mecs, du bruit. Let's go. J'fais un attentat, disrespecte pas, il m'attend pas. J'fume des G si tu m'entends pas. Le pompe de sauté dans l'armoire. Bâtard, j'fais péter la messe, punk avec tous les civils dedans. Allez, je vais sucer, mais s'il te plaît, ne mets pas les dents. Les garçons font les malins. Attendez que j'baisse vos dents. Crocalypse stocké dans le fût. La mère a réussi une bug. Elle bouffe ma bite comme un truc. J'l'apaise et j'lui casse les fesses. Bison et liberté au vigier. T'es OG, je les tiens en laisse. Game! Gang. La gadji c'est un capella les man. Trop puissant. Lip gang. Hey gros sens à skittles mon gars. On se pète la team. Hey. Gang hey. Incroyable les man. Hey. Tout ce que j'ai retenu c'est que la gadji c'est un capella. Let's go. Oh. La gadji c'est un capella qui l'a gagné. Incroyable. Il est dans le bureau de l'OPJ ouais. On va enchaîner les man avec un feat entre Silas et AD directement sur scène. Le son est violent, Alors violent c'est bien mieux. C'est bon, pas le mot ouais. Ouais alors violent peut-être pas mais ça donne envie de ken. Ça donne envie de ken les gars. Commencez à tous ken dans le public, let's go. Sortez mon temps. Un max de sexe les renois. Je veux du sperme partout. Wesh. Elle pense que je vais l'aimer mais 3h03 je suis encore sur le périph. Faut que la vie de star, je vis la mienne jour le jour, j'ai pas alors gratté. Alors dire la freeway, c'est pas le périph, mais ok. Ah ouais, t'es un show de la rue, t'es un show du four, mais sans calibre. T'es un acteur, t'as pas connu la guerre, Renoir, t'as connu les fleurs. Et pour te dire, mon gars, ça fait 4 jours, j'ai su ses pleurs. Ce son, il est sorti, les gars. Je n'oublie l'amour de mes sœurs. Et Wilson, flashback, attends. C'est un prétexte, en vrai, j'en ai rien à foutre. Fuck la colline, fuck la rive à Renoir, j'irai jamais en outre. Si tu verrais ce qu'on a souffert, Renoir, tu resterais choqué. Ah non, il est pas sûr. Ah, si, il est sorti. Dans la rue que les médias ça date, wesh. Pavés. Tiens, le lien. Sur les tombes de nos frères, des larmes ont été versées.
Doute pas de ma reconnaissance, si je t'aime c'est pour de vrai. Merde. Merde, j'ai fait quoi? Je vaincrai. Ouais, mon calendrier, je viens de l'ouvrir. Jamais tu nous verras rentrer en te bois. Regarde comme ils vont tous disparaître. On a trop de problèmes qu'on doit encore méditer. Qu'on doit encore méditer. Putain, ça fait deux fois, wesh. C'est trop grave. Adé. Gang, 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 man. Elle faudrait un bobo dans son cul, pas. Elle me plaisait de base, mais je crois que mon cœur sait pas. Quand on fait l'amour, c'est plus intense. Oh, le son, il pue le sperme. J'ai des problèmes quand c'est trop calme. Dans le bloc j't'épanne. Y'a des meurs, des meufs chats à tous les étages. Si tu passes en bas c'est pour qu'on te visse la cam. On veut le bénéfice, fini l'état bancal. Et ça s'en sert. Attends, et dans Coulib il a fait tout ça. Silas il a fait tout. En fait c'est moi le dernier. Je sais sabrer comme tu tombais. En gros là c'est moi, y'a pas de docile pas de fois que je sais dompter. Je l'ai tenu en laisse. Adé, quand le son est fini, refais une annonce en bas, genre redescends et tu dis ouais, là, tombola, c'est ici et tout. Je veux que tu me parles, mais j'ai la flemme de lui dire c'est temps. Donc je remonte dans ma gouvernement. Le premier message de sera entre vous quand je répondrai quand j'ai le temps ou dans ma rédemption. Elle m'envoie sa supreme pour un peu d'attention. Baby, son cœur est en carton. Combien de cœurs j'ai dû briser pour mes pulsions. Sur son visage, mon jus d'amour en émulsion. Y'a encore son odeur frottée sur mon caleçon. Yeah, yeah, yeah. Faut garder l'enfant, donc j'fais des tractions militaires. Me mettre à genoux, ils sont pas habilités. Combien ont voulu me choper dans un utilitaire. J'mets le but d'un B. Efficace comme Jackson, la musique d'entrée. Efficace comme Billie Jean depuis des années. J'sais pas si j'calcule l'avenir ou j'suis pas ganté. Yeah, 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 yeah. Yo, un max de bruit, man! Yo, la musique est déjà passée là! Pourquoi est-ce qu'on fait ce son? Il faut couper. Carrément, le son il veut se reproduire. Les man, on va finir avec une exclue! Entre moi et Adé, le son il est pas mixé, ouais. Mais il est violentissime. Désolé. On est là pour. Ouais, ouais, t'es pas au courant, y'a pas ton consentement, m'en bats les couilles! Grosse exclue, les man! Ça va être mixé bientôt, c'est de la frappe! Écoutez ça dans vos oreilles! Après, je vais pas l'écouter dans mon cul, hein, ce qui t'a le Let's go, les gars, c'est la violence. Je vais pas taper mes artistes, hein. Ça ne te ressemble pas de louper le spectacle. J'avais oublié cette dinguerie. Ouais, man, c'est violent, ça. Gang, 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 gang. Attends, mais c'est avec mon mix à moi? Ouais, c'est pas mixé, mais c'est bien, déjà. J'ai du 3 sacs de 2000 dollars et du coca. Cicatrice de la veille dans mon coca. Elle revient toute quand elle s'est vu le fait. Pour faire partie de ma vie, non c'est trop tard. J'ai né de mon affre à partir du sous total. Donc mon gars faut passer pour le choquer. Si qu'un minimum là c'est pas besoin de prévoir. Tant que ma codéine c'est dilué dans le cocktail. Pas besoin de s'adapter pour l'attaque, je suis paré. Fuck you Riz, fuck you. Porte pas tes couilles, fuck the flic. J'ai stationné, j'ai pas peur des tarés. Je remonte dans un polygalement. La petite me pépon ne met pas les mains. Faut arrondir les coins, sur le talemé. J'ai sauté 2-3 hop, ça fout pas les mains. On fait pas les mêmes, sol, on fait pas les mêmes. Let's go, le refrain, les gars, il va vous rentrer dans le crâne. On fait pas les mêmes, crasse. Je descends en fer de New Let's York, go. Y'a plus les traites, jaloux, ça les embête. Codéine, cocktail, cocaine. Codéine, cocktail, cocaine. Trop de contact pour le fantail. Codéine, cocktail, cocaine. Codéine, cocktail, cocaine. J'arrive chez toi, on fout le bordel. Codéine, cocktail, cocaine. Codéine, cocktail, cocaine. Trop de contact dans le fontail. Codéine, cocktail, cocaine. Codéine, cocktail, cocaine. J'arrive chez toi, on fout le bordel. Mélange de codéine dans le cocktail. Et t'as mis au monde, elle se fait tringler dans le motel. Et ton fils, on va le bloquer. Personne n'attend pas que personne ne te protège. J'suis trop stratégique, t'en as des mots têtes. Pas de mots hôtel, j'faut que les feds. J'faut que l'inspecteur, faut qu'on pète grosse caisse et qu'on te tège. Bitch, ton tuteur, toi t'es tout lèche. Faites Renoir, t'es tout lèche. Tant que tu l'obtides, petit j'te fous dans la carte. J'suis la 5, j'étais la Edge. Regarde ta face, Wangsta, depuis le début, j'te cache, gagne de l'oseille. J'allume la mèche et ta mère, ici c'est l'enfer. On vit et se nourrit avec la haine. Faut pas s'en faire, faut que notre quotidien, c'est la merde. Nos mères pleurent et on coupe dans de la peine. Purchase your tracks today. Ah, faut acheter la prod. Faut acheter la prod, ouais. Non,
2023, mais c'est pas retiré ça. Et j'ai pris deux fois le titre, je me ferai jamais dépasser par ces petites putes qui salit le rap fucking si je lâche ce stud. Tu comprends pas le rap, c'est l'attitude. J'ai des choses à dire, c'est réel. Y'a pas de satire, salit pas le titre. Avec tes mensonges comme ça qui fait le bandit. Tu crois que ma vie elle est fantastique. Depuis petit peu je fais que vendre le plastique. Dans les sachets qui t'aiment, je mettais l'extasie. Autour tous les renois sous prométhasine. Bitch, fuck, je vendais la mort avant de la donner. Ya, yeah. Là je veux mon deuxième enfant. Si j'avais vu. Merci à vous les man d'être venus à Showcase d'inauguration. Ça fait plaisir, merci d'être venus nombreux. Sachez que du coup ici c'est l'entreprise va ouvrir à partir de maintenant. C'est open. C'est une concession d'occasion. Donc ça veut dire vous pourrez venir acheter vos véhicules d'occasion, les mettre en vente, en dépôt vente, ou même vous les faire racheter. Et vous pourrez avoir les meilleures affaires ici les gars. Fini le marketplace, faut passer à Skitocase. Exactement, donc là pour tous ceux qui ont participé, on va aller faire un petit tirage au sort et on va vous annoncer le gagnant du Grand Jeu en haut. Vous dernier aurez la appel carte grise pour ceux qui veulent participer à la tombola, c'est maintenant, finalement. Exactement. Il vous reste 3 minutes pour participer, moi, ensuite on fait le tirage au sort les Renois. Sachez que vos noms sont notés, etc. Donc il n'y aura pas de tricherie. Donc ne partez pas tout de suite si vous avez participé, ce serait dommage. En te connaissant, c'est sûr que tu triches. Ouais. Me fait gagner à moi. Non, en vrai, non. Attends, je vais chercher mon frère, il a du tout. Ah, c'est bon, tu me l'as donné déjà. Ok, Adé, dis-moi quand c'est bon. Ok. T'as vu ce qu'il te pour l'invité okay. Ouais, pas de galère, les Renois, tu connais. Vas-y, c'est bon. Attends, moi, en attendant, je vais descendre le véhicule. Quand tu veux, Willow.